Hop, normalement, c'est bon. Et tout bon. Donc du coup, on en était où, pour résumer rapidement, tu étais arrivé. On va peut-être se mettre sur la bonne carte. Vous Tout étiez à fait. à... Tu étais venu à Allenrow sur l'invitation de la maison là-bas. Feuille d'argent. Oh, je sens que je me suis encore trompé. Dis-moi Ça, plaisir. c'est feuille d'argent, c'est feuille d'éclair, mais... Oh, je sens tellement que je me suis gouré. Feuille d'argent. Ok, très C'est bien. feuille d'éclair. Ok. Je T'as... t'avais mis feuille d'éclair sur Discord. Ok. Eh ben... Eh ben, je vais rectifier ça sur le Kanka, parce que sinon je vais me planter 107 ans comme ça. Voilà. Je vais me permettre d'ouvrir aussi la fiche de ta maison. Tu as été devenu sur la demande de la cousine, exactement. Dont le prénom c'était comment déjà? Faire dire. Ferdia, qui t'avait fait venir pour aider la maison à faire des tracts publicitaires pour un événement commercial qui aurait lieu du coup à Allenrow, ayant pour but de promouvoir du coup les artisans locaux entre vos trois îles. Du coup, tu avais accepté ton invitation. Son invitation, t'avais été, tu as été avec Lady et le baron. Parfait. En allant là-bas, tu as vu une famille qui était certes plutôt joviale et de bonne compagnie, mais une famille qui semblait être un petit peu stressée par les événements récents, voire du moment auquel tu assistes de façon ébahie à la situation, surtout pour Drogwise, du coup celui qui est le plus proche du baron, qui semble être à Parfait. la fois stressé par son père, par le copain de son père, et par des histoires de couloirs qui commencent un petit peu à tourner vinaigre. Et de ton côté, Lady a été intriguée par une histoire de bibliothèque brûlée. Enfin, du moins une partie de la bibliothèque a été et qui aurait, enfin, qui a été brûlée, puisque tu as été voir sur place avec Ferdia. Ferdia qui Fait. semblait être particulièrement révoltée face à la situation, qui ne cachait absolument pas son... Comment dire? Sa colère sur ce qu'elle considère visiblement être de l'incompétence de la part des personnes responsables de la bibliothèque et également de la capitainerie du coin, puisqu'elle accuse directement
la fille du roi Caïdan d'être responsable de l'incendie dans une partie de la bibliothèque afin de, dit-elle, avoir voulu mettre en cendres l'un des documents compromettants pour la famille royale. Ce qui n'est pas du goût des gens de la bibliothèque, qui disent bien que la capitainerie est déjà venue voir et qu'il ne s'agissait en aucun cas de quelqu'un, mais plutôt d'un... Oh, quoi que si, d'un, j'allais dire une connerie, d'un sorcier qui aurait malheureusement, de façon incontrôlable, joué avec la magie qu'il n'a pas contrôlée et en plus qu'il a utilisée hors des endroits prévus pour être utilisée en entraînement. Ce sorcier est à la capitainerie, en prison, et prêt à être jugé pour sa faute. Or, par le biais de ta présence et de l'attitude de Ferdia et de pourparler, tu as compris que le sorcier en particulier, de ce que toi t'as compris, il n'a été en aucun cas à l'étage où l'incendie s'est déclaré et a utilisé sa magie a priori. Enfin, s'il l'a fait, il l'a pas utilisé en haut. Mais bon, ça après, t'as pas non plus tous les éléments pour le dire, mais a priori, difficilement lui. Après, ça reste à Et lui. du coup, je crois que après la bibliothèque, on s'est séparés parce qu'elle avait du travail, faire bien, je crois, de moi. Bah, fallait qu'elle prépare le repas du soir. Donc C'est forcément. ça. Et que moi, du coup, j'ai été voir la capitainerie en attendant. C'est ça. Elles sont où nos notes? Parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié, je crois. Après, j'ai des indices, j'ai des faisceaux d'indices, mais Tu devais aller voir ah si, Narder elle... à la capitainerie. non, Nader, c'est le grand seigneur du grand Zébulunaire qui. Parce que ça, je l'ai appris justement au cours de mon enquête, où en fait, il y avait un membre du Zébulunaire au sein de la famille Feuille d'Éclair. Enfin, en tout cas, qui était dans le manoir de Feuille d'Éclair. Donc le baron l'avait détecté, mais il n'avait pas son nom. Par contre, Lady Syndra, elle avait trouvé son nom, mais elle ne voyait pas qui c'est. Et par contre, effectivement, j'avais aussi assimilé cet endroit de entraînement à la magie comme une école de magie, selon les normes d'Alarian, et que les responsables de la bibliothèque ont dit qu'ils étaient sous la protection de la famille qui garantit la bonne marche de cette école de magie et paye toutes les taxes assimilées. C'est ça, c'est bien ça. Donc, il y a aussi ce point-là Élucider, à voir. tu vas te rendre du coup à la capitainerie et me jette un des 10. Je me jette un des 10 parce que je suis pas Julien Dutheil, moi c'est Devin, je lance jusqu'à preuve du contraire.
Donc tu arrives à la capitainerie, tu remarques qu'il y a assez peu d'activité, ce qui semble être à peu près normal, Yep. puisque OK. bon, après tout, pourquoi il y aurait un tas de monde devant la capitainerie, ce qui voudrait dire que bon, la ville pourrait être vouée à difficulté. Qui tu vas aller voir? Qui tu vas voir devant? Bah, je pense qu'il y a une petite dame qui s'occupe de l'accueil ou un petit monsieur. Bah, du coup, Syndra rentre Tu rentres à et s'approche du l'intérieur. petit comte. Oui, tu. Alors, tu rentres à l'intérieur. Oh, t'as un siège. De petite taille et à l'intérieur duquel effectivement tu as une personne de petite taille qui s'y trouve et qui va te saluer. Ça a l'air d'être une alpheline, ma foi. Bonjour, monsieur. Que puis-je Bonjour, faire? madame. Oui. Pardonnez-moi de vous déranger. Je souhaiterais discuter avec la personne responsable de l'enquête sur la bibliothèque et sur l'accident de la bibliothèque. S'il vous plaît. Et je lui dis avec le plus grand des sourires, le plus charmeur. Ok, fais-moi quand même un petit jet de persuasion. Des fois que. Un jet de persuasion. Oui, pas de souci. Pour Attends, savoir je vers regarde qui est juste. envoyé. Okay. Vingt-deux. 22. Pourquoi j'ai un carré blanc, je ne sais pas. Mais... Ok, très bien. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Je vous y amène. Je la suis du coup. Du coup, de façon assez étonnante, tu ressors de la capitainerie. Elle te dit suivez-moi bien. Ce n'est pas loin, mais il ne faudrait pas que vous vous trompiez. Du coup, vous allez Je comprends. dans une maison qui se trouve juste pas très loin, à peine 10 mètres de la capitainerie. Une maison tout à fait normale. Elle toque à la porte et elle fait Capitaine Narder, s'il vous plaît, on vous demande à la capitainerie. J'ai amené la personne avec moi, elle souhaiterait vous rencontrer. Ok, très bien. J'arrive. Tu attends un petit peu. Tu entends C'est pas que. le même que c'est le même que celui qui est cannibale ou c'en est un autre? Vas voir. Tu attends quoi, quand même, 2-3 bonnes minutes. Donc elle essaye un petit peu de meubler. Alors vous venez d'où? Pardon, j'ai pas entendu, désolé. Du coup, la jeune alpheline essaye de meubler un petit peu le temps que vous attendiez à la porte, histoire que tu ne t'impatientes pas. En te demandant, tu viens Oui. d'où? Qu'est-ce que vous faites dans le coin? Je viens de Rocave. On a été conviés pour des événements qui vont avoir lieu prochainement ici. D'ailleurs, comment se passent les festivités? Elle se prépare, elle se prépare. On a entendu parler, on a demandé un petit peu plus de renfort afin de pouvoir permettre un festival idéal pour chaque visiteur qui viendrait s'y rendre, bien entendu. Oui. Je suis persuadé que cette histoire de bibliothèque, ça ne doit pas vous aider dans ces préparatifs, bien sûr. Ce n'était certainement que un malheureux accident.
dans qui dont vous savez qui est responsable. Bien sûr, c'est la raison de ma présence. Et puis tu vas voir arriver du coup un individu d'apparence robuste, cheveux au burn avec des yeux gris, qui effectivement te dit quelque chose, puisque c'est celui que le baron t'avait désigné comme étant le Nardère seigneur du grand zébu lunaire. Ok. Je bug quelques instants. Capitaine. Et je lui fais la révérence du bonjour. Bonjour, je crois que je vous ai déjà vu quelque part, hier soir sans doute. Effectivement, Ah, c'est peut-être vous le êtes cas. Lady Syndra von Darkburn, il me semble. Tout à fait. Comment réagit la alpheline qui, parce que je ne m'étais pas présenté jusqu'à présent. La alpheline est... elle avait vu quand même que tu avais... Ah bah non, t'es habillé simplement, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Donc oui, elle te regarde du pied à la tête. Bon, je crois que je vais vous laisser, tu vois, elle part le plus vite possible. Capitaine Darder, je crois que nous n'avons pas eu l'occasion d'échanger hier soir. Non, effectivement, nous n'avons pas eu cette magnifique opportunité. J'ai cru comprendre que vous étiez en charge de l'enquête sur l'accident de la bibliothèque. Oui, en effet, oh, un simple accident, un sorcier qui a joué avec la magie et qui s'est loupé. Comme ça. Pouvons-nous prendre le thé ensemble pour en discuter dans votre demeure? Et je commence à rentrer dans sa demeure. Tu vois que il te dit, allons plutôt à la capitainerie. Nous avons un bar qui a été adapté pour les personnes qui viennent dans le coin. Je préconiserais plutôt votre bureau, mais je suis persuadé que vous pourrez vous faire venir le thé. Voyez-vous, j'ai des raisons de croire que ce sorcier n'y est pour rien dans cet accident, et je souhaite avoir accès, si cela est possible, au rapport d'enquête, afin de pouvoir préparer la défense devant le juge. La défense de qui? Du sorcier. Ok, très bien. Du coup, on va à la capitainerie. Je vous suis. Du coup, il s'empresse assez rapidement de refermer sa porte et de t'amener à la capitale. Du coup, tu revois la Alpheline qui est assise sur sa chaise, qui baisse la tête dès qu'elle te voit. Et il t'amène dans une autre pièce de la capitainerie avec une très très petite cloison qui sépare l'accueil de l'autre pièce. Où d'ailleurs tu remarqueras une porte en fin fond à droite où il va te dire d'entrée de jeu, nous irons là-bas tout à l'heure. Je vous le présenterai si vous nous insistez. Avec plaisir.
En attendant, du coup, la pièce là dans laquelle vous êtes, il y a un bureau, mais une table avec un siège. Il va te présenter la chaise, d'ailleurs, il va te l'amener. Et lui va plutôt aller chercher un tabouret. Et il va Du t'inviter à coup, je t'asseoir. m'assois. Alors, vous voulez avoir tous les détails de la situation. Oui, ainsi que le rapport qui a été mis au juge. Une copie, si c'est possible. Alors, très bien. Tu le vois un petit peu hésiter. Bon, certes. Vous voulez son nom. Riley. Oui. Du coup, tu entends la fin. Veux-tu bien retourner chez moi, s'il te plaît, aller me chercher le parchemin que nous avons fait hier soir? Alors du coup, il donne les détails sur l'endroit où se trouve le parchemin. Donc, pour la précision, il le dit dans une armoire à droite en rentrant au fond de la salle. Donc là, elle finit là. Heureusement pour vous, j'ai les éléments en tête, ce qui va me permettre de pouvoir vous les donner oralement. Mais bien entendu, Bien sûr. vous pourrez remarquer que ce que je vais vous dire est également écrit sur le parchemin. Et du coup, je sors un parchemin et une plume et je vais noter ce qu'il va également me dire. C'est là que le MJ a besoin pour sa mémoire d'avoir un calendrier. Alors, BDB est là. Alors, je vais t'écrire la date aussi parce que même en tant que PJ, c'est difficile de suivre ce genre de date. Enfin, c'est ce que je pourrais comprendre. Hein, parce que, bon, c'est pas facile. Va me l'afficher. Hop, 23, mais si de... Voilà. Il te dit Amiens, 23 Messidor 10, de l'an 10. Un sorcier du nom de Ziri était présent au sous-sol afin de s'exercer au trait de feu. Il semble qu'il ait voulu s'exercer sur des cibles. Et pour ce faire, il a daigné aller dans la salle d'entraînement prévue à cet effet. Il semble avoir déclaré qu'il n'y avait pas de cible satisfaisante dans la salle d'entraînement. Pour ce faire, il a été au premier étage, endroit où, du coup, il a perché en hauteur des cibles, lui permettant de pouvoir tirer dessus, ce qui révèle une imprudence, puisque à cette heure-ci, le soir, la bibliothèque était fermée, on lui avait permis d'y rester de façon cordial et amical car c'était un client qui est là depuis longtemps et qui semble avoir un petit peu de mal à gérer ses pouvoirs et pour lui permettre de mieux les maîtriser,
on lui a permis de faire quelques bonus en termes de temps. Pardonnez-moi de vous couper, capitaine. Quand vous dites qu'il est présent depuis longtemps et qu'il a bénéficié de ce passe-droit, je présume que c'était un habitué des locaux. C'est bien cela? Exactement. Je vois, je vois. Et puis, quand vous dites qu'il a hissé des cibles, de quel type de cible parlons-nous? Tu le vois un petit peu perplexe quand tu es devant ce genre de choses. Il me semble qu'il a pris des livres qui étaient présents dans la bibliothèque à cet endroit-là, qu'il a considéré comme étant moins utile que les autres. Très bien, je comprends. Et je note hein, tout ça, bien sûr. Donc, pour Je poursuivre, vous en prie, pardonnez-moi de vous avoir coupé. mais il n'y a pas de problème. C'est normal, nous avons tous besoin de précision dans une affaire qui des fois pourrait être beaucoup plus compliquée qu'elle n'en a l'air. Donc pour recommencer, là où j'en étais, Ziri, le responsable, est un nain qui effectivement est de petite taille. Et malheureusement, eh bien, il semblerait que bah, par l'angle de tir, est tiré un petit peu plus haut que prévu. A commencé à tirer dans les murs et puis en voulant éteindre le feu, un autre trait de feu est parti dans la bibliothèque en sens opposé, ce qui a enflammé une partie de la bibliothèque en plus du côté de la fenêtre. Je vois. Donc il était au deuxième étage quand il s'est entraîné, c'est bien cela? C'est ça. Ah, je vois. Est-ce qu'il était seul? Oui, il était seul, effectivement. Un gardien qui était censé être de garde ce jour-là nous a confessé s'être endormi avec un ouvrage quelconque. Je n'en ai plus le nom, je Je pense vois. qu'il figure sur le rapport puisque nous l'avons interrogé. Je vois. Je serais ravi d'entendre ces dires lorsque votre subordonné nous apportera votre rapport. C'est très intéressant. Comment s'appelle ce gardien? Ce gardien s'appelle que je dois retrouver celui-là. Il s'appelle Tomate. Tomate. Très bien, très bien. Vous pensez que je pourrais discuter avec lui dans quelques... Enfin, après avoir échangé avec mon client, bien sûr. Bien entendu, si vous le souhaitez. Ah, je vois, je vois. Et je présume que le gardien, a vu mon client partir. Eh bien, effectivement, tu as le droit à un jet de Et perspicacité. c'est à quel... Tu as le droit à un jet de perspicacité. Ok. Vingt-quatre. Quand il a dit certainement, lui, il n'y croyait pas lui-même, en le disant. Ah, je vois. Ok. Du coup, à quelle heure mon client est-il parti des locaux? Eh bien, c'était en pleine nuit. D'après les informations que j'ai reçues, on était à la moitié de la nuit, pour être exact. Ah, je vois, je vois. Alors dans ces cas-là, qui est intervenu en premier dans cet incendie? Eh bien, Tomate lui-même. Je veux dire, hormis le gardien qui était sur le site, qui d'une personne extérieure est intervenu? Car je présume qu'en tant que gardien,
Il était censé fermer à clé la bibliothèque après le départ de mon client. Donc, je voulais confirmer cette information, voyez-vous. Eh bien, par chance, nous sommes en relation étroite avec Tomate. Et OK. ce dernier, sentant le bois brûler, a tout de suite réouvert la bibliothèque afin que je puisse rentrer, car il m'avait fait un envoi de message me permettant du Ah, coup donc il est également initié à la magie. Oui. Oui. Très bien, très bien. C'est une excellente nouvelle. Et du coup, vous étiez le premier à intervenir sur les lieux, du coup, au moment de l'incendie. Je note, je note. J'ai hâte d'échanger avec lui. Oui, si vous voulez, Et du coup, quelles ont été vos premières constatations lorsque vous êtes venu? Eh bien, première constatation, lorsque je suis arrivé sur les lieux de l'incendie en soi, j'ai vu que au niveau des fenêtres, c'était en feu. Qu'au niveau de la bibliothèque, le feu allait prendre un petit peu partout. Raison pour laquelle j'évite. Alors je ne sais plus quel sort, mais j'ai envoyé suffisamment d'eau pour permettre à l'eau au feu de s'éteindre. Le si peu n'a pas suffi à tout éteindre, mais en partie. Vous êtes du coup également initié la magie. Bien cela. Oui. Très bien, très bien. Comment avez-vous appris la magie? Eh bien, nous avons eu la possibilité d'aller dans un temple afin de pouvoir apprendre auprès d'un clerc ces tours-là. Vous êtes clair vous-même? Ou paladin, peut-être. Tu le vois, comment dire? Tu lui dis paladin, peut-être? Oui. D'accord. Oui, bien sûr, paladin. Oui, je suis paladin. Est-ce que mon 24 en perspicacité fonctionne ou pas encore? Oui, tu vois qu'il est en train de te tricoter, ce qu'il faut pour que tu le croies. Ok, que je ne le crois pas du tout du coup. Tu crois pas du tout. Ok. Très bien, très bien. Petite interrogation. Oh, c'est pas grave, vous inquiétez pas, j'irai en discuter avec Tomate. Car c'est très intéressant, voyez-vous. Ce que je remarque, c'est que tous les protagonistes qui sont à proximité de cet incident sont tous des initiateurs de magie, que ce soit divine ou profane. Et c'est très intéressant, voyez-vous. Il faut bien maîtriser la magie. Nous Tout à fait. devons pas faire comme sur le continent où les lanceurs de sorts sont laissés à leur bonne volonté et à leur possible savoir-faire qu'ils ne maîtriseront jamais puisque personne ne les prend en main. Je suis d'accord avec vous, mais voyez-vous, pour apprendre la magie, il y a quand même quelques règles, et notamment, cela aurait évité que la bibliothèque brûle, voyez-vous. Ben oui, il aurait fallu que ce lanceur Et de puis, sorts s'entraîne dans la salle prévue à cet effet. C'est tout incontestable. à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, comme vous le savez, je suis persuadé que tout entraînement à la magie doit se faire sous la supervision d'un professionnel de la magie. Je présume qu'à cet effet, Ziri, et tu vois que je regarde un peu mes notes, Ziri le nain, bien sûr, avait été accompagné par un professionnel de la magie. Dans cette étude de ce sort. Car je suis persuadé que aucun professionnel de la magie ne laisserait cet accident arriver
pour une école de magie, voyez-vous. Ah, mais nous n'avions aucune raison de penser que ce soir-là, il aurait fait autre chose que de lire des descriptions sur le sort qu'il souhaitait lancer. Tout à fait, tout à fait. Mais Je effectivement, comprends, vous inquiétez pas. son tuteur, en tout cas, n'était pas au courant du fait qu'il veuille s'exercer sans qu'il ne soit présent. Mais d'ailleurs, je le note qu'il n'aurait jamais dû faire ça. Vous Tout à faites une fait. bonne remarque. Oui, bien sûr. Et où puis-je trouver le gardien Tomate? Je vais aller vous le chercher. Vous souhaitez peut-être avant en parler avec le prisonnier? Alors, tout à fait. En fait, j'attends votre collègue qui met un peu de temps à venir et puis je prends une gorgée du thé qui m'a été servi. Et puis bah, dès que j'ai votre rapport, enfin la copie de votre rapport, bien sûr, je m'acquiescerai d'aller interroger Ziri, de prendre contact avec mon client. Et puis au terme de cet entretien, c'est avec plaisir que je changerai avec Tomate. Très bien. Et tu verras dans 2 minutes après la jeune Alpheline arriver avec un parchemin, enfin pas qu'avec un parchemin, avec trois rouleaux de parchemin. Un qui fait état du rapport de l'incendie, description de ce qui s'est passé. Le deuxième, il semblerait que Ziri ait été interrogé et qu'il aurait Désiré, t'étais? interrogé Ok. et qu'il ait signé quelque chose, enfin, son interrogatoire. Et la troisième, sa mise en jugement. Il te précisera l'autre que son objectif à présent, c'est d'aller quérir un juge pour le soumettre à un jugement. Ouais, très bien. Je demande une copie des trois et je lis particulièrement l'interrogatoire et ce qu'il a signé, parce que je présume que c'est des sortes d'aveux qu'il a signé. Je lis particulièrement tout ce parchemin également, une fois que j'ai les copies. Et bien sûr, je ferai comme avec l'autre, hein, je ferai le comparatif entre l'original et la copie. Et du coup, tu liras sur l'interrogatoire que, bien entendu, comme il te l'a dit, alors, est-ce que j'ai un nom de famille à donner en plus? Je t'ai dit Ziri. Non, il n'a pas de nom de famille. Donc, je sous-signais Ziri, avouer que j'ai causé un incendie à la bibliothèque, à la très grande bibliothèque d'Allen Roe, suite à un exercice pour lancer des traits de feu. J'avoue ne pas avoir m'être exercé à lancer ces sorts dans la salle d'entraînement prévue à cet effet, mais de l'avoir fait à l'étage afin de me permettre de viser sur des cibles. J'avoue avoir délibérément choisi des ouvrages qui me semblaient être de moindre importance pour m'exercer au tir. J'avoue que suite au lancement de mes sorts de façon incontrôlée, j'ai du coup causé l'incendie à la bibliothèque. Afin d'en arriver à un jugement, je souhaite faire part de
plus amples excuses auprès de la bibliothèque et être de reconnaître mes fautes et à l'avenir du coup de les réparer. Et la signer. Ok. Du coup, on est d'accord que la copie que j'ai est copie conforme de l'origine des originaux. Alors du coup, la jeune Alpheline va te faire la copie. Ouais. Quand tu auras fini ton thé, elle aura peut-être pas fini l'interrogatoire, mais plutôt le rapport. Bon, le rapport, ça sert à rien de te le dire, c'est exactement ce qu'il t'a dit. Oui, tout à fait. Et le jugement, lui, est censé se faire. Alors, en fait, il n'y a pas de date précise, puisque pour l'instant, il n'y a pas de juge qui a été attribué à l'affaire. Mais c'est marqué que contrairement à notre vie réelle, le jugement doit être fait dans les 15 jours à venir. Est-ce que je serai encore présent? Pas. Tu pourrais être parti, mais 15 jours à venir, ça veut dire que là, vous êtes le 6 Thermidor. 1, 2, 3, 4. Vu que ce rapport date du 5 d'hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc ça serait le 20 Thermidor. Son jugement au maximum. Ok. Ok, très bien. Et on est d'accord qu'il y a un juge qui est présent sur l'île, hein, c'est ça? Ils vont pour le juger. Ils vont, comme je t'avais dit, ils vont prendre trois personnes des maisons nobles présentes et prendre cinq ou six des notables de d'Alenro. Et bah du coup, je regarde bien que j'ai les mêmes informations entre la copie L'original. et l'original, tout à fait. Et je demande également une copie de l'interrogatoire supplémentaire. D'accord. Ok, ils te la font. En même temps, ils sont Ok. prédisposés à te la refuser, donc ils te la font. Okay. Donc du coup j'en ai une pour l'enquête et une qui atteste la présence d'une école de magie sur l'île. Du coup par cet avoir. Une fois que tu auras les copies seront faites, tu remarqueras Ouais. que de son côté, même s'il ne dit mot, Narder semble être un petit peu impatient. Il semble avoir envie de bouger. Je comprends. Donc assez rapidement, ou régulièrement, il te dira, bon, est-ce que je peux vous laisser là? Je vais laisser du coup. Oui. Ne vous inquiétez pas, je vais aller interroger Ziri. Et puis, si Tomate peut me retrouver à la capitainerie le temps que je finisse avec mon client, ça serait parfait. Je vous laisse mon tabouret pour que vous rentre dans la salle derrière et je vais laisser Riley vous amener, vous conduire au prisonnier. Merci beaucoup. Et du coup, je regarde la petite Afline avec le plus grand des sourires. Puis-je voir Ziri, s'il vous plaît?
Effectivement. Allez, je vous y amène. Vous voulez que je vous porte votre tabouret, si vous voulez. Oh, ce sera avec plaisir. Et tu vois qu'elle se donne du cœur à l'ouvrage et qu'elle va chercher le tabouret et que te fait les grands gestes pour t'amener jusqu'au prisonnier. Tu Et du coup. remarqueras, oui, tu Oui. verras voir, ma foi, une sorte de prison très peu garnie en cage, entre guillemets, puisqu'il n'y en a que deux. Et une est remplie d'une personne, un nain. Qui a les cheveux dorés, les yeux verts vifs, portant du coup des vêtements assez beaux, assez sympas, qui sont dans les beiges, puis un dessous dans les jaunes pâles. Donc c'est un nain qui quand même est assez bien vêtu. Bon, alors un petit peu crade parce que bon, il n'est pas dans un endroit où on peut se changer tous les jours, visiblement. Ce qui fait que tu te dis que ce nain est en train de prendre cher psychologiquement, certainement, puisque il doit pas être à la fête. Ce nain est réveillé, il te regarde arriver, il te salue de façon totalement aimable et il te... Bonjour mademoiselle. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Il regarde, enfin tu vois bien qu'il regarde les barreaux. Il te dit rien. Il regarde les barreaux. Je comprends, je comprends. Et du coup, je m'assois sur le tabouret en feuilletant tous les parchemins que j'ai en main. Alors, voyez-vous. Je suis ici pour votre jugement. Je suis ici pour vous qu'on puisse préparer votre défense. Ma défense. Vous dites? Oui, votre défense, tout à fait. Tu le vois totalement surpris. Je crois que c'était pour. Vous êtes sérieuse? Tout à fait. Et je lui dis, du coup, vous êtes Ziri, pardonnez-moi, j'ai pas retenu votre nom de famille. Ah ben oui, le Ziri Riodan. Et du coup, je le note en complément sur le parchemin qui m'a pas été. C'est Riodan, c'est ça? Voilà, j'ai complété le nom sur le RP. Ok. Eh bien, enchanté, je suis Syndra. Et je vais vous représenter pour le jugement, si vous le souhaitez. Oui, bien entendu. Vous... Du coup, il va falloir que je vous redonne quelques éléments, je crois. À vrai dire, vous allez plutôt répondre à mes questions, si cela ne vous dérange pas. Mais effectivement, je suis preneur sur les informations que. Vous avez vécu lors de cet instant et non pas ce que vous avez dit de celui-ci. Comme si j'avais dit quelque chose. Tu vois qu'il le dit un petit peu dans sa barbe, tu vois. Comme si j'avais dit quelque chose de ce qu'il y avait de marqué dessus. C'est bien ce qui me semblait, c'est la raison de ma présence. Je suis content de vous rencontrer. Je vous le dis du fond du cœur. Je vous en prie, Je suis ravi que. posez-moi toutes les questions que vous souhaitez me poser. Ah, très bien, très bien. Alors, voyez-vous, ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous étiez un habitué de la bibliothèque, c'est bien cela? Oui, ça fait maintenant 2 ans que j'y travaille, effectivement.
Vous y travaillez à la bibliothèque? J'y travaille, mais je en tant que Vous exercez, bien sûr. voilà, c'est bien entendu. Je comprends. Je comprends, je comprends. Et du coup, connaissez-vous, du coup, je présume que vous connaissez tout le monde qui est sur place, c'est bien cela? Oui, bien entendu. Ah. Pouvez-vous me donner le nom du gardien ou des gardiens, s'il vous plaît? Eh bien, il y a ce taré là, qui était là d'ailleurs le soir-là. Comment il s'appelait déjà? Tomate, je crois. Voilà, tout à fait, tout à fait. Ok, je note, je vous remercie. Et Ah oui, vous il y pouvez avait noter d'autres taré si vous gardiens? voulez. Et pourquoi vous le considérez comme taré? Oh, il fait partie de ces mecs-là, enfin, comme le capitaine d'ailleurs de cette caserne. Ah, Ils du ont grand une. Zébulunaire. Je vois que vous y allez pas par. Oui, effectivement, c'est bien Ah, je vois, très bien. Bon, merci. Est-ce que vous qui étiez là depuis 2 ans, je présume que vous étiez très au fait des règles pour la pratique de cet entraînement magique? Ah bah bien sûr, et croyez-moi Et que je n'y dérogerai pour rien au monde. J'y tiens trop à ce pouvez-vous code. me les expliquer, s'il vous plaît? Eh bien, lorsque nous étudions un sort dans cette bibliothèque, nous sommes amenés à rechercher différentes sources d'utilisation de ce sort afin d'être au mieux adapté à ce qu'on est, d'être le mieux adapté à ce qui pourrait marcher. Donc les positions, les paroles, les ingrédients, et ça, nous devons le lire dans la salle de lecture, pas loin des ouvrages. Et si nous souhaitons s'exercer, si nous le faisons avec des ingrédients, nous devons nous procurer les éléments à l'extérieur de la bibliothèque, nous ne devons absolument pas le faire à l'intérieur. Et lorsque nous voulons essayer les sorts, nous devons aller dans la salle d'entraînement qui est suffisamment grande pour y mettre ce que l'on veut pour faire nos sorts. Voilà. Je vois, je vois. Parce que je présume qu'il doit y avoir beaucoup de praticiens de cette de magie, non? Oui, nous sommes nombreux, on est 4-5. Ah, je vois, je vois. Et comment ça se passe au niveau de la réservation de la salle? Car je présume que, voyez-vous, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait qu'une seule salle d'entraînement de la magie, et je présume que vous ne pouvez pas tous vous entraîner en même temps pour différents sorts. Il faut un système de réservation de salle. Effectivement. Effectivement. Et Alors. savez-vous comment on peut réserver cette salle? Eh bien, nous allons voir Tomate. C'est lui qui s'en occupe. Et nous avons seulement une contrainte qui est que nous devons attendre la soirée pour essayer nos sorts. Alors, pas comme ce que j'ai fait, certes, où j'ai attendu que tout le monde soit parti. Mais d'ordinaire, on doit essayer pas longtemps avant que les gens doivent partir. En début de soirée, devrais-je dire. Ah, je vois, je vois. Et c'est une règle à l'accoutumée. Car je vois pas pourquoi attendre le début de soirée pour s'entraîner s'il y a une salle spécifique, non? C'est au cas où il y aurait une éventuelle catastrophe.
En Je particulier vois. si, bon, dans mon cas, Pour l'instant, je ne te demande pas spécifiquement à votre cas, je te demande sur les règles générales à l'accoutumée de la bibliothèque. Mais du coup, pour les réservations, nous demandons automate et nous remplissons un registre où, bah, du coup, on le réserve quand il y a de la place de libre. Ah, je vois, je vois. Et très bien, très bien. Ah, bah, écoutez, très intéressant tout ça, très intéressant. Et ça a une rémunération pécuniaire, je présume? Nous devons payer 15 pièces d'or lorsque nous sommes... Alors 15 pièces d'or à l'année, si nous souhaitons étudier sur le long terme et pouvoir nous entraîner dans la salle d'entraînement. Étudier à l'hôtel et la régime. Bien sûr, c'est sur un parchemin vide hein, que je me note tout ça. Au bout de 2 ans, le gardien automate, je présume que il n'était pas que de la soirée, il est aussi dans la journée au niveau de ses. Au niveau de son service, devrais-je dire? Il est... Ou il est exclusivement dans la soirée? Non, il tourne avec Orman. Ah, je vois. Vous l'écrivez comment, Orland? O-R-M-A-N-E? Oui, exact. Non, sans le, pas besoin de. Ah, Orland, très bien, très bien. Non, je vois, je vois. Qui est dans la nuit en général? Ça dépend des deux, hein, je présume. Ça dépend des deux. Celui qui fait la soirée essaye de faire la nuit jusqu'à ce que les retardataires en sortent. Je vois. Et je présume que les. Gardiens sont censés pouvoir faire sortir tout le monde. D'ailleurs, quelle est la raison pour laquelle vous étiez resté sur place? Car je présume qu'il est venu vous voir. D'ailleurs, c'était qui le gardien qui était en charge dans la nuit de l'accident? Tomate. Tomat. Très bien, très bien. C'était juste pour confirmer cette info. Et je présume qu'il est venu vous voir pour vous dire que de partir, c'est bien cela? Non. Il est resté avec moi toute la soirée. Ah, il est resté avec vous toute la soirée. Eh Très bien, très bien. bien, oui, vous êtes... Sachez-le, il est lanceur de sorts aussi, et lui aussi a besoin d'apprendre. Ah, vous entraînez à deux. Ah, très intéressant. Ça peut arriver, effectivement. Ce qui était cas d'ailleurs ce soir. Ah, très bien, très bien. Je vois. Et où il était lorsque le feu s'est déclenché? Était-il avec vous? Oui. Je vois, je vois. Eh bien, c'est très bien tout cela, c'est très bien, c'est très prometteur. Et quel type de sort pratiquait-il? Eh bien, en ce qui concerne des sorts de clairs. Ah, je vois, je vois. Eh bien, c'est tout à fait intéressant. Il va falloir que je discute avec ce monsieur. En tout cas, dorénavant, ce que je vais vous demander, c'est que vous ne dites plus rien sans ma présence. Est-ce que cela vous convient? Eh bien, bien entendu, je respecterai tout ce que vous me demanderez de faire. Tout à fait, tout à fait. Du coup, c'est très intéressant parce que je vois, je vois, je vois. Tu vois qu'elle se frotte un peu les mains. Y a-t-il d'autres informations qui vous viennent à l'esprit et qui vous semblent utiles à votre dossier?
Je ne vous mentirai pas en vous disant que j'ai entendu ce que vous disiez entre vous derrière le mur. Et je dois vous dire que certes, Tomate était avec moi en train de faire de la magie, mais qu'à certains moments, effectivement, Orman était non pas réveillé, mais plutôt endormi. Et moi aussi d'ailleurs, pour être Ah, tout à parce fait que sincère. Orman était présent également. Orman, Tomate, pardon. Ah, ok. En fait, vous étiez endormis tous les deux, c'est bien cela? Pas au moment de l'incendie, mais un petit peu avant, on s'était assoupi sur nos tables. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, on s'est réveillé, on s'est dit bon, on va aller un petit peu à la salle d'entraînement, histoire de nous réveiller un peu. Et c'est là que nous avons senti que quelque chose n'allait pas bien dans la bibliothèque. Je vois, je vois, je vois. Du coup, avez-vous entendu des bruits avant votre endormissement ou c'était quelque chose de soudain ou est-ce que vous aviez une fatigue qui s'est démarrée pendant plusieurs heures? Pour être tout à fait sincère avec vous, il me semble, je ne peux pas l'affirmer, malheureusement, entre le monde des rêves et la réalité, mais il me semble que mon réveil a été dû à un très grand fracas venant de la bibliothèque, enfin, venant de l'étage, justement. Je vois, je vois. Mais quand vous êtes endormi soudainement? Oui, c'est étrange, ça m'arrive assez rarement. Je vois, je vois. C'est parfait tout ça. Et ben, je crois que j'ai toutes les informations qu'il me faut. En tout cas, je n'en aurai pas plus avec vous, tout du moins. Ah, si, si, si. Est-ce que ça vous dit quelque chose, est-ce que vous avez peut-être vu une petite ombre ou entendu quelque chose avant votre endormissement que vous n'auriez pas prêté attention plus que ça jusqu'à avant, type un grincement de porte ou une latte d'un escalier qui tombe, quelque chose comme ça. Non, rien entendu. Ah, rien entendu, tout à fait. Est-ce que c'est bien insonorisé entre le sous-sol et l'étage? Entre le sous-sol et l'accueil, oui, bien entendu. En ce qui concerne l'accueil et les étages, je ne saurais vous dire. J'y passe assez peu de temps, en fait, Et dans je les deux. présume que vous étiez au sous-sol, c'est bien cela. Ah bah, bien entendu. Très bien, très bien, très bien. C'est parfait, voyez-vous, c'est très, très, très bien, très, très bien. Ah, bah écoutez, je vois pas d'autres choses à vous poser comme question. Pour poursuivre mon enquête, je dois discuter avec et tu vois qu'elle sort d'autres parchemins. Ce gardien tomate que vous avez évoqué. Ça me semble primordial pour votre jugement. Écoutez, je vous remercie beaucoup et puis bah, je vous souhaite une excellente journée. Est-ce que vous voulez que la prochaine fois je vous ramène quelque chose, peut-être? De quoi vous changer ou de quoi vous nourrir? Bien entendu. Ou peut-être que vous souhaitez que je adresse un message à quelqu'un qui vous est proche? Oui, alors du coup, il te donnera une adresse dans la ville. Il te dira d'aller voir sa femme afin de prendre chez lui des vêtements propres pour qu'il puisse se changer. Je vois, je vois. Dernière question avant de partir. Il est dit que vous étiez sorcier. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez le dire ou pas, mais de quel type de patron êtes-vous issu?
tout de suite. Pardon? C'est le MJ qui te dit, je te le dis tout de suite. Ah, ok. Bon, bon il me le dira après, c'est peut-être pas déterminé, mais. En fait, la question, c'était surtout, est-ce que c'est un patron démoniaque, donc c'est-à-dire avec le feu, ou est-ce que c'est un patron qui n'a rien à voir avec le feu, tu vois? Ça revient Ah oui. à un seigneur immortel. Ok. Quel type de sort étiez-vous en train de vous entraîner? Produire une flamme. Produire une flamme. Très très bien. Très bonne phase. Alors, je vais pas te dire qu'il part, hein, parce que lui, il peut pas partir. Oui, non mais bien sûr. Et du coup, je note cette information et je repars, du coup, je ressors en disant ça. Et du coup, dès que je ressors, est-ce qu'il y a Thomas, il n'est pas encore revenu, je présume? Si, il va être assez vite revenu. Alors, tu veux dire de Narder est revenu, mais Thomas, il n'est pas là, c'est ça? Si. Alors, c'est surtout que je voudrais savoir, tu t'y connais en ton personnage, tu connais en sort ou pas? Il a quelques notions, mais je pense qu'elle va plutôt demander l'avis, le conseil au baron. Ok. Tu vas voir. Il, lui, s'y connaît plus. Parce que je te le dis maintenant, tu vas vite savoir que produire une flamme, c'est un sort qui est plutôt dédié aux druides. Et plutôt. Plutôt dédié aux druides. Oui. Il y a assez peu de sorciers qui peut lancer ce tour. Oui, et puis la portée de la flamme, c'est 9 mètres, je crois. Le lancer. Je crois que ouais, c'est ça. C'est exactement ça. De mémoire. Donc du coup, il y a une histoire de portée aussi qui n'est pas en cohérence. Quand tu vas sortir de la pièce, effectivement, tu vas entendre, non pas dans la salle d'à côté, mais à l'accueil. Que Narder discute avec Riley et une autre voix et une autre petite voix masculine mais à peu près dans les mêmes tons que Riley. J'imagine que tu t'y rends. Oui, bien sûr, pardon, excuse-moi. Et Narder va tout de suite te présenter un petit alphelin. Alors que je me trompe pas. Aux cheveux argentés et aux yeux bruns. Qui porte particulièrement, enfin ce qui est très reconnaissable chez lui, c'est qu'il est chaussé avec des bottes d'équitation. Donc c'est assez particulier. Les bottes d'équitation sont assez hautes Il est chaussé avec des bottes ailées. des bottes d'équitation Ok. ce qui fait que Ok. il est déjà de petite taille et avoir de grandes bottes comme celles qu'il a aux jambes fait que ça le rétrécit davantage ce qui est Je assez vois, je vois. particulier et ce dernier du coup se poste devant toi. Te fait une révérence bien bien comme il faut. Et mademoiselle, je me présente Tomate Leinte. Je crois que Ah, vous m'avez enchanté. demandé
Ah, tout à fait, tout à fait. Je regarde Nardère. Peut-être avez-vous un bureau où nous pouvons nous isoler, capitaine? Bah, vous pouvez prendre mon bureau si vous souhaitez. Ah, très bien, très bien. Pouvez-vous m'indiquer où il se situe? Bah, derrière vous. Ah, je vois. Eh bien, je vous en prie. Tu Et vois du le coup, petit je Alsacien? m'assois sur la chaise. Oui, mais lui il va aller prendre un tabouret, un autre tabouret. Oui, parce que j'ai Narder, laissé l'ancien là-bas. oui. Et Narder, lui, va s'absenter. Hein, il va pas rester avec vous. L'Alphéline, elle, va se remettre sur son siège à l'accueil. Du coup, Alors, comment allez-vous aujourd'hui? eh bien, tout à fait bien reposé. Enfin, tant mieux, tant mieux. Et vous, Ça madame? devait, ça a dû être une expérience traumatisante. Ça Oh, va, ça ben, va, je vais bien. vous savez, on ne s'attend pas à certaines choses hein, dans une bibliothèque, et celle-ci fut assez particulière. Pourquoi cela? Eh bien, nous ne sommes pas habitués à ce que, certains de nos adhé... enfin, à ce que un de nos adhérents mette le feu à la bibliothèque. La plupart d'entre eux sont plutôt heureux de disposer de ressources aussi nombreuses. Je fais un rire nerveux. Je vois, je vois. Depuis combien de temps travaillez-vous à la bibliothèque? Oh, j'accompagnais déjà mes parents quand j'étais tout petit. Enfin, plus petit que ça, bien entendu. Je vois, je vois. Et ça fait combien de temps? 15 ans, 20 ans? 20 ans. 20 ans aujourd'hui. Je vois. Vous ne faites pas votre âge, vous savez. Je sais, on me le dit souvent. Tu sais, de la badouille, en lui donnant, tu sais, des petits tips comme ça. Oui, mais en même temps, c'est vrai que le fait de ses bottes d'équitation, on n'est pas très loin de la rivalité, puisque ça lui donne vraiment un très très jeune âge, vu Oui. la taille en moi avec les bottes. Et cela fait combien de temps que vous êtes gardien? Oh, ça va faire 2-3 ans. Ouais, 2 ans. 2 ans en tant que gardien? Oh, je vois. Du coup, je présume que vous connaissez très bien Ziri. Oui, Vous oui, avez peut-être commencé en même temps. oui. Bon, un petit peu, Et non. Oui. non, je vous en prie, pardonnez. Oh ben il était là avant moi, hein, ou un petit peu avant Oh, moi, mais de quelques mois seulement. oui, peut-être, mais On peut dire que vous avez fait vos armes ensemble. oui, c'est. Et cela fait combien de temps que vous maîtrisez la magie? Eh bien, ça va faire depuis au moins 5 ans, voire plus, 7 ans peut-être, que j'essaye de l'apprendre. J'en ai appris déjà pas mal, hein, mais il me Ah reste oui, encore du c'est ce que j'ai travail. cru comprendre. Ce que j'ai cru comprendre, vous avez pu prévenir le capitaine de manière efficace avec un sort que, ce qu'on m'a dit, relativement puissant lors de l'incendie. Oui, bah oui, bien entendu. C'était bien envoyer le message, hein. Envoyer un message, c'est bien ça. Hein. Oh oui, bien sûr. Du coup, je vous écoute sur les faits qui se sont déroulés lors de la nuit de l'accident.
Juste avant, on m'a dit que c'était vous qui étiez en charge du registre de la réservation des salles d'entraînement magique. Je présume que le registre est à la bibliothèque. Oui, effectivement. Je l'y ai laissé, Ah, mais très je bien, ne très pensais bien. pas en avoir besoin. Non, vous inquiétez pas, en sortant d'ici, j'irai, je passerai à la bibliothèque, vous inquiétez pas. Et il réagit comment quand je dis ça? Perspicacité. Ça fait plus d'un quart Oh d'heure. shit, échec critique. Merde. Bon, il a l'air d'être sincère. Il est sincère, tout à fait. En même temps, échec critique, c'est échec critique. Hein. Je vous écoute pour votre témoignage. Dites-moi votre déroulé que vous avez vécu lors de cet événement malencontreux. Eh ben, croyez-le ou pas, j'étais de garde du coup ce soir-là. Je me suis malencontreusement endormi à un moment où je n'aurais pas dû m'endormir. C'est des choses qui arrivent, Oui, hein. c'était quelque chose de soudain, c'était ça. Hein. Ouais. Oui. Ou c'était une fatigue que vous accumuliez depuis plusieurs Oh, heures. bah, vous savez, cumuler garde de la ville et garde de la bibliothèque, c'est pas facile, vous savez. Hein. Bien sûr. Et puis, bon, C'est une fatigue cumulative, hein, je comprends ça. ouais, c'est ça. Et ce soir-là, j'avoue que ça m'a pesé un petit peu lourd et ça a été très difficile de résister. Mais heureusement, je me suis réveillé à temps avant que les choses ne soient trop graves. Qu'est-ce qui vous a réveillé exactement? Eh bien, une mauvaise odeur. J'ai senti une odeur de brûlé qui me venait au nez. Je pense que c'est ça qui m'a immédiatement réveillé. Et du coup, j'ai été aux étages. Après avoir rouvert les portes pour mon capitaine, à qui j'ai envoyé un message dès que l'odeur de feu s'est confirmée, de bois brûlé s'est confirmée, D'accord. et je suis monté, j'ai continué de monter jusqu'à arriver à l'endroit de l'accident, de l'incendie. Donc vous avez prévenu votre capitaine avant d'avoir détecté l'incendie, c'est bien cela? En montant les étages et en sentant bien cette odeur de brûlé. Ah, je vois. Mais du coup, à ce moment précis, qu'est-ce qui vous a fait dire que cette odeur de brûlé provenait de la bibliothèque et non pas de l'extérieur? Bah, bonne question, l'intuition sans doute. J'avoue Ah, je que vois, je vois. j'imagine même pas si jamais il s'était révélé que ce soit à l'extérieur. Bah alors là, je me serais fait engueuler. Ah non, non. Je vois effectivement. Vous imaginez s'il y aurait eu d'autres incendies. Ouais. Je vois, je vois. Et du coup, quel sort vous travaillez, vous, ce jour-là? Bon, je ne travaillais pas les sorts, moi je dormais. Enfin, je dormais malencontreusement. Ah, je vois. Et où étiez-vous situé dans ces cas-là, lorsque vous êtes endormi? J'étais à l'accueil. Vous étiez à la queue, très bien. Je vois, je vois. Avez-vous entendu des bruits avant ou après? Oh non, 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 ma foi, aucun bruit. Ah, très bien, très bien. Je vais, là, je vois. Du coup,
Je vois, je vois. Petite question. Vous qui travaillez depuis longtemps à la bibliothèque, vous... Alors, attends. Je réfléchis oralement. Là, je réfléchis pas en tant que PJ, mais en tant que moi, Grégory, en tant que joueur. Parce que la question, c'est comment poser la question sur les tonneaux sans qu'ils s'en rendent compte. En parlant de support Alors, attends, déjà, je m'en vais. Je présume que lors des réservations des salles, le nom du sort à travailler doit être mentionné sur le registre, c'est bien cela? c'est facultatif, mais c'est souhaité. C'est facultatif. Très bien, très bien. Pour la simple et bonne raison qu'il y a certains sorts qui peuvent gêner pas mal de lanceurs de sorts. Et nous préférons qu'ils puissent les maîtriser plutôt que de les lancer sans les maîtriser. Vous préférez qui? J'ai pas compris, vous pouvez répéter? Nous préférons que ces lanceurs de sorts maîtrisent leurs sorts plutôt qu'ils ne les maîtrisent pas. Ah oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, en parlant de ça, y a-t-il d'autres personnes qui utilisent ce lieu? Oh bah bien sûr, il y en a 4-5. Enfin, moi. Notre capitaine Narder, Ziri, deux autres. Je vois. Et y a-t-il d'autres utilisateurs de la magie parmi les membres de la bibliothèque? Non, je suis le seul. À l'utiliser, enfin l'utiliser, à m'exercer. Je vois, je vois. Et est-ce que vous prodiguez des conseils à des étudiants de la magie? Au vu de Normalement, votre je expérience. suis normalement moi et Narder, nous sommes du coup les tuteurs des lanceurs de sorts qui apprennent la magie dans nos murs, enfin dans Tomate les et. Alors donjons. attends, parce que ça. Le son il a coupé, donc du coup c'est Arman, c'est ça? Non, Tomate et du coup Narder, le capitaine de la Ah, très bien, très bien. Vous êtes les tuteurs de ces étudiants, c'est ça? C'est ça. Ah, je vois, je vois. Très, très intéressant. Je penche la tête vers l'alpheline. Pardonnez-moi. Excusez-moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pouvez-vous faire appeler le capitaine Narder sur un sujet administratif? Merci beaucoup. Vous en avez fini avec Tomate? On est en cours de finalisation, vous inquiétez pas. Mais justement, j'ai besoin de discuter avec eux deux en même temps. En même temps, vous dites. Oui. Oui, je vais lui en parler. Merci beaucoup. De rien. Et du coup, je me retourne vers Tomate. Je vois, je vois. Alors, du coup, vous êtes les tuteurs. Les tuteurs. Okay. Donc, vous avez envoyé un message. Et c'était vers quelle heure que vous avez senti à peu près au milieu? C'était au petit matin, à la nuit, où Oh, l'incendie s'est déroulé? ça devait être en début de nuit.
Au début de nuit. Je vois, je vois. Je vois, je vois. Eh bien, ma foi, je crois que j'ai toutes les questions qui me viennent. Est-ce que vous avez des choses en particulier que j'aurais omises? À vous. Non, je crois que vous avez été totalement complète sur vos questions. Parfait, parfait. De ce que j'ai compris, vous venez pour la défense de Ziri. Tout à fait. Si je puis me permettre, il a sans doute fait une erreur, mais c'est une bonne personne, donc. Je suis content de voir que quelqu'un prend sa défense pour alléger sa peine. Oui, tout à fait. Dernière petite question. De mémoire comme ça, hein, bien sûr. Quel sort avait été en train de travailler, Ziri, au moment des faits? Trait de feu. Faites-le. Je vois. Eh bien, pour moi, tout est complet. Et on va attendre le capitaine Dardaire à l'accueil. Très Sûr bien. qu'il va pas tarder. J'espère pour vous, hein. Oh, ne vous inquiétez pas, je vais rester juste quelques minutes et puis sinon je laisserai un message à son assistante. Bah oui, bien entendu. Vous avez pu le contacter? Du coup, je me retourne vers la cheminée. Elle n'est pas encore revenue. Par contre, Thomas, lui, va essayer de partir. Le laisser. Excusez-moi, Tomate. Oui. Pendant que je vous joins, vous m'avez dit que vous pouvez le contacter très rapidement. Vous pouvez-vous lui envoyer un message pour qu'il vienne immédiatement? Ok. Du coup, tu le vois immédiatement incanté, et puis un petit moment, plus rien. Ou plutôt qu'il nous retrouve à la bibliothèque. Ça, je lui dis, j'imagine que tu lui dis Et. avant qu'il fasse son envoi de message, je pense. Oui, c'est ça, tout à fait. Et je vous en prie, suivez-moi, on va aller à la bibliothèque. Ok. Très bien. Ce que Et tu du coup, remarques. on prend la direction de la bibliothèque. Alors, ce que Oui. tu remarques quand tu sors de la capitainerie, c'est qu'effectivement, la Alpheline sort avec. Au moment qu'il envoie son message, tu vois Narder qui sort du coup de la maison avec la féline. Il n'a pas l'air d'avoir été impacté par quelque chose qui vient de lui arriver. Pourtant, du côté de Thomas, lui, l'est perturbé par ce qu'il est en train de faire. Concentré sur ce qu'il est en train de faire. Et au moment du coup où Thomas se rend compte que Narder est sorti de la maison, il lui dit à voix haute, bon ben on va à la bibliothèque, hein. Et du coup, Narder Voyons, rejoint Thomas. voyons. C'est comme ça que vous parlez à votre capitaine? Laissons-le venir tranquillement, vous inquiétez pas. Avez-vous bien reçu son message? Et je regarde Arder en disant ça. Narder regarde Tomate. Oui, bien entendu, oui. Bien sûr. Dans ces cas-là, pouvez-vous m'indiquer l'étendue du message que, enfin, nous dire le message qui nous a été transmis, s'il vous plaît.
rejoignez-nous à la bibliothèque. Oui, c'est cela. Eh bien, allons-y. Et du coup, je commence à prendre la direction de la bibliothèque. Et du coup, vous vous rendez vers la bibliothèque. Où il y a beaucoup plus Et de monde, puisque vous arrivez dans les heures de midi à peu près. Je sais plus quand vous étiez, je crois que à midi. Non, c'était pas là-bas en début d'après-midi. Donc là, ça va plutôt être la fin d'après-midi. Et du coup, je demande à voir le responsable de la bibliothèque autre que Tomate. Donc Orman. Enfin, celui que j'avais vu, ouais, c'était lui que j'avais vu avant, c'est ça? Non, c'était pas Orman. Est-ce qu'on l'a noté? Est-ce qu'on l'a noté? Je suis pas sûr qu'on l'ait noté. Pas sûr non plus. Ça m'étonne qu'on l'ait pas noté, mais bon. Alors, qui c'est que j'avais mis à ce. Non, non, je m'en rappelle plus du tout. Du nom que j'avais mis, c'est pas grave, je vais me chercher Non, un mais autre. on va dire que je l'appelle cette personne que j'ai vue ce matin, enfin dans la matinée. Alors, je te remets le nom, je vais remettre un nom. Hop. Je regarderai le live et puis voilà. Pour ce soir, il va s'appeler Payton. Du coup, Payton va venir avec Orman. Du coup, je suis accompagné de Narder et Tomate, c'est ça? Oui. Ah, Monsieur Ficadron, c'est bien cela? Oui, effectivement. Qu'il demande. Ah, oh bon, on s'est vu ce matin, vous avez déjà oublié? Ah oui. Ferdia m'a fait perdre complètement la notion des choses. Mais bon, oui, je vous remets, c'est bon. Alors, comment allez-vous débrouiller ce matin? Oh bah ça va très très bien, ça va très très bien, ça avance, ça avance. Voyez-vous, nous sommes venus pour vous faire jeter un œil à au registre des réservations des salles d'entraînement magique, et plus précisément sur le jour de l'accident. Eh bien, Tomate, va donc chercher ton registre. Je ne veux pas que ce soit lui qui y aille. On m'a dit qu'il y avait également une autre personne qui le réservait. Tu le vois en train de regarder Narder? Oui, éventuellement, oui. Cette autre personne peut éventuellement aller chercher le registre. Narder ou Capitaine Narder, vous voulez peut-être aller chercher le registre? Et là, je me retourne vers les deux. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi seul vous avez la possession de ce registre? Eh bien, tout simplement parce que je suis un utilisateur de magie, que je suis celui qui est le plus aguerri pour assister les jeunes lanceurs de sorts. Très bien. Puis-je voir votre autorisation d'école de magie? Je n'en ai pas besoin.
Par contre, Vous savez, éventuellement, il me dit ça en face? oui. Ah oui. Ok, c'est Narber qui dit ça, je présume. Oui. Du coup, je lui rappelle les règles juridiques permettant l'exercice, enfin, l'entraînement de la magie, c'est-à-dire que soit il est. C'est une école officielle dirigée par un étudiant de la magie officielle. Soit qu'il est sous la coupe de l'armée alarienne, et du coup, qui doit être le garant de l'armée alarienne. Est-ce qu'il est membre de l'armée alarienne? Du coup, je lui pose la question. Êtes-vous membre de l'armée alarienne? Non, mais je suis membre d'un temple. Oui, mais qui n'est pas de l'armée à l'arrière. Je vois, je vois. Effectivement. Visiblement, Je vois, je vois. tu vois que dans ce, pour lui, il y voit aucun problème, hein. Tout à fait. Comment réagissent les autres? Les autres le regardent attentivement. Ok. Eh bien, messieurs Narder et Tomate, nous suivons pour la récupération de ce registre. Et il va aller chercher du coup ce registre. Vous allez l'accompagner. Vous À fait. allez, enfin. Tomate, Orkman et Peyton vont rester à l'accueil, vont t'inciter à rester Non, également. je leur demande de me suivre également. D'accord, d'aller jusqu'à l'endroit où ils mettent le recueil. Oui. Tu remarques qu'ils vont en direction du souterrain. Et tu remarques qu'ils mettent une clé dans une boîte qui était certainement insérée à l'intérieur du mur, qu'ils ouvrent. Ils en sortent du coup un gros livre avec un certain nombre de parchemins dedans. Ils vont le ramener à l'accueil. Enfin, sur la grande table de l'accueil pour pouvoir l'ouvrir et que tout le monde puisse le regarder. Ils vont ouvrir à la page du 23 Messidor avec marqué au niveau des réservations deux personnes. Qui avait réservé la salle, Tomate Lente et Ziri Riodan. Et est-ce qu'il y a la présence des sœurs qui sont été Oui, alors en bout de ligne, au début, il devait y avoir trois mots, dont un plus petit, mais qui ont été largement raturés, et avec au bout marqué trait de feu. Donc il y a trois mots qui ont été raturés, c'est ça? Ouais, dont celui du milieu qui est plus petit que les deux autres. Je vois. Alors, j'ai. Est-ce que tu penses qu'avec un. Est-ce que
que j'ai accessoires du faussaire et paquetage de diplomate, est-ce que tu penses que je peux retravailler l'original pour pouvoir identifier Oui, avec outil du faussaire, ouais. Allez, je te laisse avec celui-là. Ok. Est-ce qu'il faut un jet? Ouais, vas-y, fais-moi un petit jet. Ouais, ça coûte rien de le faire, le jet, avec celui-là. Et avec intelligence, puisque je crois que non, avec sagesse, pardon. Parce que perception, non, perception, c'est avec sagesse, pas intelligence. Alors par contre, comment est-ce qu'on fait des jets d'outils avec la nouvelle fiche? Tu appuies avec sur merde, attends. Non, ça n'a rien fait. Mon cerveau a du mal là. Alors, on te Vanderburn, où est-ce que je l'ai mis, sa fiche? Bah oui, là. De toute façon, logiquement, si tu me fais un jet de sauvegarde de... Attends, je regarde pour intelligence parce que je sais plus si c'est intelligence ou sagesse, perception. Sagesse, ok. Un jet de sauvegarde de sagesse. Oh, ça change rien par rapport au jet normal. Fais-moi un jet de sagesse et je rajoute ta maîtrise dessus. Sagesse pure. Ouais. Dix. 10 plus 3, 13. Okay. C'est tout le temps à ce moment-là qu'on fait des 13. Tu ne vas pas réussir à lire les trois mots. Mais tu réussis à lire le premier qui est produire. Ok. Ce qui corrobore le témoignage de Maturé, Essayer. dont le premier est produire. Okay. J'ai mis. Du coup, je sors un parchemin et je note. Je prends ce parchemin, en fait. Ouais. Je regarde Péton. Ouais. Et je lui dis, pouvez-vous me faire une copie de ce parchemin en indiquant ici produire au-dessus du mot barré que j'ai identifié? Ok. Il te met produire. D'accord, il le fait. Mais pourquoi? Car c'est l'un des mots qui a été barré. Et je regarde Narder et Tomate en disant ça, pour voir comment Perspicacité. il réagit. Oui, bah, fais-moi un jet de perspicacité, ça fait depuis un moment que je me dis, il faut que je lui dise de le faire. Ok. 24. Ça les embête beaucoup ce que tu es en train de faire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, j'imagine. Et du coup, en attendant d'avoir les copies de ce registre, je regarde Narder et la recherche de juge avance-t-elle comme vous le souhaitez? Oui, bien entendu. D'ici 2 ou 3 jours, ça devrait être bon. Ah, parfait, parfait. Je vais en toucher deux mots à la famille Feuille d'éclair, si cela peut accélérer la procédure.
Non, non, vous inquiétez pas, on va régler ça entre nous. Vous êtes sûr? Oui, vous inquiétez pas. Est-ce que je peux vous aider? Ne vous inquiétez pas. Oui, on peut comprendre. Mais vous inquiétez pas, on va assurer. J'espère que vous me tiendrez au courant de la date lorsque celle-ci sera fixée. Voyez-vous, cela serait dommage que il ait lieu alors que je dois partir. Ah, vous partez quand? Oh, vous le savez très bien. En tant que capitaine, vous devez avoir cette information. Oui, bien entendu. C'est vrai. Ok, nous attendrons que vous soyez revenu ou que nous essaierons de faire en sorte que vous soyez encore là. Ne vous inquiétez pas, on ne fera pas les choses sans vous. Parfait, parfait. Et du coup, je regarde, alors que nous sommes au niveau de l'accueil, j'essaie de regarder aux alentours pour voir au niveau des traces, si je vois des traces de jets de flammes. Aucun. Ok. Ah. D'ailleurs, pendant qu'on est présent ici, Thomas, c'est bien cela. Pouvez-vous m'indiquer où ont été positionnés les livres qui ont servi d'outil? Ah oui, pardon, vous étiez sur les lieux de l'incendie, pardon. Excuse-moi. C'est ça? Oui. D'accord. Enfin, on était, tu sais, au niveau de l'accueil, mais je pense que de l'accueil, ça doit pouvoir se voir un petit peu de loin, tu vois. Enfin, Les jets de flammes, ouais, ça devrait se voir s'il devait y en avoir eu au plafond, comme c'était dit dans la. Les jets de traits de feu, oui, ça se voit quand même. Ouais, donc si ça avait été le cas au niveau du plafond, ça se verrait. Or, c'est Oui. absolument pas le cas. Ok. S'il y en a eu, c'est quand tu étais un petit peu plus sur place, là-haut. Où tu as vu que Ok. la personne, si elle a fait effectivement des traits de feu, elle l'a fait en ligne droite. Et elle s'est certainement pas loupée. Ok, je vois. Du coup, tu lui as dit quoi déjà? T'as dit quoi, Thomas, déjà? De lui indiquer les endroits où il y avait les livres qui étaient positionnés. Du coup, lui te met à un endroit vraiment au plus loin possible des étagères de livres, ce qui est peu vraisemblable puisque c'est trop court pour faire un trait de feu, entre guillemets. Et puis de toute façon, il n'y a pas de zone d'entraînement, il n'y a pas de zone d'impact à ce moment-là. Voilà, donc c'est peu probable. D'ailleurs, tu vois qu'il cafouille un peu, il a du mal à te l'expliquer. Alors du coup, Narder, qui est là, lui essaye de dire non, c'est là. Tu vois, lui, il essaye d'imposer à Tomate que ça soit là où il y a le plus de cramés qui pourraient correspondre à des tonneaux et tout comme ça. Et ça perd un peu Tomate et limite les deux se chipotent un peu, tu vois. Mais Ok. que ça soit l'explication de Narder ou celle de Tomate, ça n'explique pas comment tu peux faire un trait de feu là parce que c'est beaucoup trop près des étagères de bibliothèque. Il faudrait vraiment que le Oui. mec il ait pas pris les tonneaux en cible mais directement les étagères, quoi. Et dans l'autre sens. Ça. Comprends. Bah, je note ce point, et puis dès que je reçois du coup Bah du coup, la copie de ouais, de
De son côté, ça va être Payton qui va s'en occuper. Et lui, ça va être assez facilement fait. Donc il va te la fournir. Ah, merci, merci. Du coup, je vous laisse pour... je vérifie juste si c'est bien la concordance entre l'original et le faux. Oui, de toute façon, Payton, tu vois que c'est Alors, pas. l'original et la copie, je veux dire. Ouais. Tu vois que Payton, contrairement au cinoche des deux mecs que tu viens de voir là, Payton, tu vois qu'il est là pour le coup, bah, comme l'autre fois, il essaye d'être le plus carré possible, avec la plus belle écriture possible pour que tu puisses bien apprécier son travail. Comme toujours, vous faites du travail de qualité, Monsieur Ficadon. Entendu. Messire Ficadon. Bien entendu, vous êtes bien entendu. Et du coup, je me tourne vers Dardère et Tomate. Bah, merci beaucoup pour vos témoignages. Et malheureusement, je suis attendu pour la soirée. Je me dois de retourner au manoir. Mais à très bientôt. Et du coup, je m'en vais vers le manoir, en faisant bien attention à ce que je ne sois pas trop suivi. Au niveau du manoir, pour le baron, je crois que le baron il avait fait quelque chose particulier de sa journée, je crois. Bah, le baron, il a fait surtout de la diplomatie Oui, avec la famille, ouais. ouais. Donc ça a été. Et je crois qu'il a aussi, il vient d'évoquer que il a évoqué au père qu'il y avait un membre cannibale, d'un culte cannibale en son sein, donc du coup. Ouais. Oui, donc je pense qu'il s'est tenu pas loin de Ruvaen, le seigneur de Charbagne, pour discuter avec les autres personnes de la maisonnée. Et ma foi, il y en a pléthore. Il a largement ce qu'il faut dans cette maison, dis donc. Vous avez consommé, vous savez pas combien de litres ni de kilos de boostify sucré, entre autres, et parler de tout et de rien, mais surtout de rien. Cette journée pour le baron est d'une. Et d'un massacrant comme pas permis. C'est vraiment On a de. parlé commerce ou pas, au fait? Non, absolument pas. On est plutôt parlé technique de conduite de bateau, technique de gestion des serviteurs, et comment. Comment cette décoration de la cuisine a été faite par les prodigieux ébénistes de Charbagne. Ok, je vois. Du coup, je pense que le baron voit la corrélation entre la pinte que Revaen lui proposait et du coup le mobilier qu'il y avait dans la cuisine, enfin dans le salon où vous aviez mangé. Oui. Puisque du coup c'est le même bois. D'accord. Voilà. D'où le fait que la couleur de la pinte sur la table ne se voit pas. C'est la même couleur. Du coup, là, tout l'ennui du baron qui se dit qu'il a certainement mieux, il aurait certainement mieux à faire de sa vie que de passer du temps là, même s'il le sait que cette représentation est d'une utilité primordiale. Mais bon, c'est comme Parfait. ça. C'est le rôle d'un baron.
Il ne verra personne des dirigeants de la maison, donc ni le grand-père, ni le père, ni la fille, alors qu'on t'a dit que Okay. la fille devait venir te voir. Oui. Et décidément, celle-là semble être quelque peu absente à la convocation. Ce qui commence bien, ma foi. Ce qui Fait. va certainement encore embêter Drogwise. Mais bon, comme ça. Du coup, la première personne que tu vas voir, c'est une personne que tu t'attendais pas à voir aussi vite dans ta journée. Enfin, ça devait pas être la première que tu devais voir. Et c'est Lady. C'est qui? Ben, c'est Syndra qui va revenir du coup au manoir. Ah oui, ok. Donc c'est pour Ok. dire le vide sidéral de cette Ah oui, journée. effectivement. Surtout que moi, je reviens en fin de journée, donc ça veut dire qu'il a passé une journée. Ok. Ouais, il a passé une journée de merde. On peut le dire franchement. Oui. Du coup, Syndra va lui demander, est-ce qu'on peut avoir un entretien privé entre... dans la chambre, s'il te plaît. Et du coup, elle va inviter le baron à la suivre dans la chambre. Elle va tout lui dire. Et elle va tout lui dire, tout à fait. Qu'est-ce que je vais dire, le Et elle baron? va demander des conseils sur les sorts également. Ah oui, du coup, bah, c'est là que le baron, je pense que lui dira que Oui. ça peut pas être un sort qu'un sorcier peut se lancer, donc sa cause est forcément vouée à l'échec. Ou alors, sauf exception. Oui, sauf exception. Mais ça peut être aussi... Enfin, en tout cas, je lui marquerai les différentes dissensions qu'il y a eu entre les témoignages de Narder, du grand Zébulunaire lunaire et puis Tomat, comme quoi ils sont membres du même culte et qui sont les responsables du coup de l'école de magie. Et je lui parle ce que j'ai identifié par rapport à l'école de magie et tout ça, et savoir ce qu'il en pense. Donc là, je pense que lui, par contre, il est au fait de la loi par rapport à ça, même si Oui, alors Syndra après, le sait aussi, mais... oui, peut-être que le baron, lui, sait aussi qu'il y a que du coup le capitaine cherche avec tout ça à légitimer du coup l'école de magie à travers le temple. Puisque bon bah même si il faudrait faire partie de l'armée d'Alarion ou avoir quelque chose de signé de la part du royaume pour apprendre, il en est qu'il y a des exceptions pour ce qui est temple, druide et ma foi. Puisque les sorciers ne sont pas acceptés d'apprendre de la magie, ils sont pas Donc il peut censés. renseigner. Les sorciers sont pas censés apprendre la magie. Ils sont censés ne jamais apprendre à s'en servir. Puisque s'ils apprennent à s'en servir, ça veut dire qu'ils comptent permettre à leurs entités extradimensionnelles de s'incruster sur le monde d'Alarion, et bien entendu, il en est hors de question, bien sûr.
Alors, mais du coup, on est d'accord qu'ils sont censés prodiguer que des soins divins. Exactement. Ou des sorts qui sont acceptés par le temple. Sauf que bah, le complexe de la situation, c'est que il semble que Lamine Harder et ses autres compères semblent cacher leur appartenance à un temple sous couvert d'une capitainerie de garde. Et à côté de ça, ils ont infiltré, on va le dire comme ça, hein, une bibliothèque pour apprendre à des gens à faire la magie, faire de la magie, quelle que soit leur source de base, puisque là, il s'agit d'un sorcier, où ils disent qu'ils sont tuteurs du pauvre petit sorcier là. Mais normalement, un temple, lorsqu'un temple prodigue des conseils de magie à un apprenti, ce dernier devient un clerc ou un paladin. Il devient pas un sorcier. Enfin, voilà quoi. Surtout que quand j'ai posé la question s'il était clair ou paladin, il semblait pas, enfin Darder a été pas convaincu. C'est ça, donc. Mais d'un autre côté, ils mettent ça sous couvert d'une vie normale à travers une bibliothèque, une capitainerie. Et puis là, tout d'un Parfait. coup, bah, il te sort il fait partie d'un temple qui serait paladin. Il sait pas ce qu'il Et du veut coup, bah, vraiment je dans son vais. témoignage. Ouais. Du coup, je propose d'en discuter à Drockwise et le baron, qu'on puisse échanger tous les trois sur le sujet de l'école et en même temps demander si Drockwise peut accélérer la procédure de jugement pour Ziri. Drakwise, vous allez le voir peut-être une demi-heure après, si vous êtes revenu en bas, en fait, tout simplement à l'heure du repas. Il y aura un petit peu moins de célébration que la veille. Hein. Vous serez juste avec Oui. les membres importants de la maison et vous et toi et le baron. Enfin, Syndra et le baron. Et du coup, je lui demanderai quand même, parce que cette conversation-là, je préfère l'avoir en privé, tu vois, tous les trois, plutôt que ce soit à table. Donc, je solliciterai une entrevue après le repas, bien sûr. Alors, tu remarqueras que, parce que vous allez quand même manger dans le grand salon, a Oui. priori, vous auriez dû utiliser qu'une seule table. Il semblerait que le grand-père, l'ami du grand-père, et les filles aient décidé de manger à part de leur père. Ensemble et bah du coup bah Drockwise va vous inviter à manger sur sa table puisque autrement il va se retrouver tout seul le pauvre. Enfin, ou du Bon, moins on va manger avec lui. il en profite pour pas rejoindre la table de son père. Enfin, vous savez pas dans Ok. quel sens ça va, mais ça va dans un sens particulier. Bah, du coup, on s'installe avec lui. Et effectivement, même s'il n'y a qu'une table d'écart entre vous et l'autre table, ça n'empêche que dans ce grand salon, cette table vide entre vous, ça pèse lourd sur l'ambiance. Et puis, au moment où il va s'installer, le baron dira, je pense que votre fille devait être très occupée aujourd'hui.
Il semblerait qu'elle ne soit pas venue au thé. Ouais. Je crois bien, ouais. Tiens, messire Ruvaen, venez manger avec nous aussi. Ruvaen, qui est encore avec son sa pinte dans le bras, va venir s'installer avec vous. Donc tu remarques que le moindre prétexte pour Drockwise de contourner cette question a été utilisé. Je vois, je vois, je vois. Ah, nous aurons l'occasion d'en discuter après le repas, peut-être. Ou demain matin. Il y a certains sujets que nous devons aborder ensemble qui ne peuvent attendre, malheureusement. Mais. Oui, changeons de sujet par rapport à ce qu'on a pu parler aujourd'hui, si vous le voulez bien. Tout à fait, tout à fait. Alors, j'ai entendu dire, Et vous voyez. Lysindra, que vous êtes promené en ville aujourd'hui. Oh, tout à fait, tout à fait. C'est une charmante ville que vous avez là. Bien sûr. Bien entendu. Et vous avez une hospitalité dans cette ville remarquable. Elle est loin d'être parfaite quand même. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Je vois, je vois. Et que pensez-vous de l'apprentissage de la magie? Hormis Allô? le fait que je désapprouve beaucoup de choses, je dirais que nous acceptons certaines choses, mais je suis pas comme mon père. Je pense que nous devrions y mettre un terme. C'est une idée d'errande. Donc Parce pour finir, errande, c'était que. le copain du grand-père. Oui. Parce que vous avez. Quand vous dites que vous souhaitez tout arrêter, parce que vous. Il y a un endroit où on peut apprendre la magie ici. Tu vois que Syndra, elle le fait de manière innocente, comme si elle connaissait la vérité, mais qu'elle voulait voir sa réaction. Alors, Drakwes va faire un regard vers le baron, hein, parce que bon, vous en avez parlé en début d'après-midi. Nous savons effectivement qu'il y a ce temple du grand Zébulunaire ici sur notre sol. Dans notre ville, et il semblerait qu'elle soit tolérée au titre que pour l'instant ils ne font de mal à personne et qu'ils permettent de gérer l'ordre dans la ville. Et tu vois que je regarde du coup Ruvared pour voir comment il réagit face à cette déclaration. Alors lui, il avait demandé une bière, du coup on l'a servi, il est en train de la siffler, de sourire et de regarder de façon très amusée Drakwise. Et peut-être
si tu si sens ton regard sur lui, va peut-être faire un petit peu moins le malin, essayer d'être un petit peu plus sérieux, enfin momentanément, et dire je crois que tu as raison, Rockwise, je crois que que votre maison, si vous commencez à accepter ce genre d'individu, autant dire que vous êtes en train de foutre les pieds dans la merde et de vous y enfoncer bien comme il faut. Du coup, Drakwes va reprendre. Je suis bien d'accord avec vous. Nous devons trouver une solution pour les virer de là et vite. Sinon, ça va mal tourner tout ça. Tu vois que Syndra met sa chopine au bord des lèvres et juste avant de le gorger va dire donc vous n'êtes pas au courant qui sont les dirigeants d'une école de magie dans votre ville et les tuteurs légaux de apprentissages magiques. Et je bois une gorgée en disant ça. Ah ouais, quand même. J'étais au courant qu'effectivement ils mouillaient au sein de cette bibliothèque, mais de là de dire que ce sont des tuteurs, autant dire que ce sont les maîtres qui apprennent la magie à leurs élèves. En fait, ils sont en train de recruter dans notre ville. Notre barbe. De pire en pire, cette histoire. De pire en pire. Une école de magie, carrément. Oui. Et tu vois que son regard noir ne va pas envers son père, hein, mais vers Erand. D'accord. Et du coup, je poursuis en disant oui, j'ai des faisceaux d'indices qui, suite à ma malade de notre huile, j'ai pu récolter certains faisceaux d'indices qui permettent d'attester cela. De tester pour l'école de magie. Il faudra bien que vous me les fournissiez, que je puisse régler. Oh! Tu vois que tout d'un coup il tilte. Ah ouais, quand même. Vous avez des documents qui en attestent, carrément. Tout à fait. Je pourrais en avoir quelques-uns. En copie. Bien sûr. Très bien. D'ailleurs, au passage, j'avais une petite requête à vous soumettre, Bien car au sûr. cours de ma petite visite de votre ville, j'ai eu vent d'une petite histoire, vous savez, d'un incendie dans une bibliothèque, dans la fameuse bibliothèque, vous savez, qu'on a évoqué un peu plus tôt. Et il semblerait qu'il y ait un jugement qui est en cours de se préparer, et je voudrais savoir si vous n'avez pas la possibilité qu'il ait lieu lors de ma présence dans votre vie, car voyez-vous, je suis en charge de la défense de l'accusé. Alors bizarrement, tu le vois avec un sourire, ce qui n'était pas son artifice du moment. Et il te regarde avec un petit sourire. Il ouvre un petit peu les bras et il te dit, eh bien, nous avons tout ce qu'il nous faut en notre possession ici dans cette maison pour pouvoir faire le jugement. Demain ou après-demain, si vous le souhaitez. Oh, ça serait merveilleux. Et tu vois qu'elle mange un morceau de poulet. Et du coup, il regarde Rouvaen. Serez-vous présent pour le jugement, messire?
Et du coup, ce dernier, ouais, pourquoi pas. Si ça peut occuper ma journée, mettez-moi au fait un petit peu de la situation, que je sois pas trop démuni, mais il n'y a pas de problème, je peux. Je suis là, hein. Du coup, Robin te regarde. Et du coup, je sors du sac le parchemin d'enquête fait par le capitaine Marder et je lui lis. Tu lui lis? Oui. Mais que Alors, le parchemin d'enquête fait par Marder. d'accord. Oui, c'est le parchemin d'enquête sur l'incendie. Et bien entendu, Reven va avoir un éclat de rire tonitruant qui va attirer l'attention du grand-père. Du coup, Dalmert, qui va dire hey, qu'est-ce qui se passe là-bas là? Vous pouvez pas vous calmer un petit peu là? Du coup, Owen va s'excuser de son rire un petit peu trop nitruant. Et de vous dire sous l'œil à distance de Errand qui vous regarde d'un coup un petit peu perturbé. Mais du coup, Ovaen va le dire un petit peu plus bas pour qu'il ne l'entende pas, le moins possible. Franchement, par rapport à ce que vous disiez sur. Vous me révéliez sur l'identité de ce Narder, quand on voit qu'il est en train de faire un rapport disant qu'un des sorciers. Dont ils ont la tutelle est en train de s'amuser à balancer des traits de feu dans une bibliothèque. J'ai envie de vous dire, vous avez quand même largement les moyens, avec rien que ce rapport, de saloper son école de magie, hein, parce que ces enseignements n'ont pas l'air d'être très efficaces. C'est notamment l'un des documents, effectivement, que j'ai à ma disposition, messire Dankwise, qui atteste de la présence de l'école de magie et surtout de l'apprentissage d'une magie profane. Lady Syndra, avec un tel rapport, vous pourriez peut-être un petit peu retourner à l'île Titiquier demain, non? Peut-être que Monsieur le Baron pourrait vous accompagner et que vous Tu vois qu'elle pourriez. rigole. Parce Tu vois que que. cette fois-ci, c'est elle qui rigole à pleines mains, à pleines dents. Parce que sincèrement. Vous pourrez aller le dire à votre grand clerc du Grand Zébu s'il souhaite s'étendre avec son école de magie discrètement au niveau de la ville. Il faudrait peut-être soit qu'il change son fusil d'épaule par rapport à ce qui s'est passé, ou soit qu'il accepte de valoriser son incompétence. Du coup, je rigolerai à pleines dents après son discours, quasiment presque un peu moins fort, mais presque autant que Ruvaen. Et après, elle dira plus bas en disant: Ne vous inquiétez pas, j'ai également d'autres documents et. Pour le jugement, je ne m'en fais pas. En revanche, je suis très peu au fait de l'impact sur cette école. Malheureusement, je crains, si elle n'est pas sous votre autorité, car vous êtes le garant de l'armée d'Alarien,
enfin, Dalaran sur cette île, n'est-ce pas? Enfin, entre Maisonnée. Et malheureusement, si vous n'êtes pas au courant de cette école, que il permet d'apprendre des sorts de magie profane à des étudiants, et qu'il n'est pas issu d'une école de magie officielle, je crains que cette école est illégale et que par conséquent, doit s'arrêter. Du coup, ouais, t'écoute jusqu'au bout et te dira franchement de tout ce que je sais du grand Zébu lunaire, croyez-moi que cette histoire d'école de magie finalement n'est qu'une goutte d'eau qui fait déborder un vase qui est largement plein. On parle quand même du culte du grand Zébu lunaire, et rien que ce nom me fait frissonner, me fait horreur, et je pense que leur pratique mérite de se faire nulle part, devrait être éradiquée, exterminée, tout ce que vous voulez, mais le moins du monde, rester à l'Enro, jamais de la vie. Nous devons tout faire que ces gens, cette école, partent dans l'immédiat, et quelle que soit la façon, le moyen, tout ce que vous voulez, maintenant que je le sais, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'ils soient dégagés. Le problème que nous avons aujourd'hui, pour que je puisse le faire correctement, c'est lui. Et tu vois qu'il le désigne Errant du regard. Et pourquoi cela? Parce que depuis 7 ans qu'il est avec mon père, depuis qu'il a amené ces gens qui se sont installés en ville, ils sont là, ils sont présents. Et ils se sont fait passer pour des paladins venant du Talban, venant du temple du Grand Veneur. Et au final, de ce que l'on voit, ils n'en font absolument pas partie, puisqu'ils font partie du culte du Grand Zébu Lunaire. Et tout ça, c'était des foutaises racontées par Errand. Et mon père, qui était bien au courant qu'ils en faisaient partie, a quand même laissé ces individus s'installer sous couvert que son compagnon lui assurait que c'était des gens qui ne pratiquaient pas de sacrifice comme prévu, qui étaient seulement des lanceurs de sorts en quête de partager leur savoir de façon tout à fait pacifique, ce que je trouve totalement risible que mon père, avec la sagesse qu'il avait jusqu'à ce que je le sache, ce que je sache ça, était jusque-là pour moi irréprochable. Mais depuis notre conversation que nous avons eue ensemble, Monsieur le Baron, je dois bien avouer que je tombe des nues et que c'est avec dégoût que j'apprends que ce errant a manipulé mon père et a réussi à lui faire gober n'importe quoi. Et aujourd'hui, nous, effectivement, comme vous le dites, Lady Syndra, nous sommes dans une position plus que délicate. Si tout ce que vous racontez est vrai, nous risquons d'avoir véritablement de gros ennuis. Et aujourd'hui, il faut impérativement que je trouve, moi, la solution pour régler ce problème. Puisque je ne pense pas que mon père soit disposé à régler quoi que ce soit.
Vous avez peut-être un moyen efficace de commencer, peut-être par la fermeture de cette salle d'entraînement. Oh, mais vous savez quoi? J'ai envie de vous dire que ces gens qui se font passer pour le grand veneur, mais vous inquiétez pas, je vais très vite trouver des gens qui vont venir les trouver et qui vont m'en débarrasser. Et je vais commencer par là, vous voyez? Attendez que le jugement se fasse, histoire que mon client puisse être libéré. Ah, mais c'est bien pour cette raison que je compte que le jugement se fasse le plus rapidement possible. Déjà pour qu'on puisse leur foutre déjà un bon petit coup dans la tronche. Et ensuite, dès demain, enfin pas dès demain, parce que demain c'est le jugement, mais si 2 ou 3 jours, moi je prends le bateau et hop, c'est parti pour aller au Talban, sur le continent, pour aller trouver un temple du grand veneur. Et on va voir. Quand je vais ramener un ardère de paladin du grand veneur, qu'on rigole, qu'on voit ce qu'il en dit. Oh, vous savez, il y a peut-être un moyen un peu moins long pour les confronter. Vous savez, à Rocave, il y a des temples du grand veneur. Nous pouvons très bien envoyer une invitation à ce temple pour venir sur votre île. C'est vrai. Nous ne sommes pas encore tout à fait habitués à ce que vous puissiez nous donner des moyens comme ceci. Et effectivement, si vous le pouviez, cela irait encore plus vite. Je Eh vous bien, à la suite de ce repas, nous enverrons quelques messages. oh, je vous remercie. Je vous remercie. Tu vois qu'il est heureux comme un gamin. Est-ce que le baron connaît un des membres de ce culte du Grand Veneur? Parce que comme il est assez proche des religions... Oui. Ils sont assez nombreux au niveau de Est-ce Rockave. Enfin, au niveau du de Rock à vous, au niveau du Rock. Les plus proches. Bah, le Rock, c'est plus proche. Et puis, au niveau du Rock, il y a pléthore de clercs et surtout de paladins du Grand Veneur. Bah, du coup, il fera plutôt le rock. Physionomiquement parlant, un paladin du grand veneur venant du roc, vu comment ils sont armurés comme des boîtes de conserve, font largement plus peur que des paladins venant du continent. Okay. Bah, du coup, il enverra un message à l'un de ses contacts du grand veneur du roc. Après le repas, bien sûr. Vers la fin du repas, puisque du coup ça va s'avancer un petit peu là, vous allez avoir Almert qui va venir s'asseoir à votre table. Pas du même côté que son fils. Eh bien, mes chers invités, avez-vous bien mangé? C'était merveilleusement bon. Et c'est le baron qui répond. Et Ruvaine va dire, eh bien, ce fut une tablée très agréable et ma foi, on a bien rigolé ensemble. Almer dira, effectivement, j'ai Syndra entendu qui lui ça. fait un grand sourire. J'ai entendu ça, je ne connaissais pas autant d'humour à mon fils. Tu verras que les deux, il y a des éclairs qui fusent entre les deux. Clairement. Parce que là, c'est Aaron qui vient ou c'est Albert? Salmer. Non, non, non. Albert, ok. Erand et vous regarde avec des yeux un petit peu noirs quand même. Mais il restera
pas largement à distance. Voire il sera le premier à sortir de la salle. Et Almert, eh bien, je suis ravi que cette tablée vous ait plu et que cette journée a certainement dû être enrichissante, n'est-ce pas? Tout à fait. Et à bien des niveaux, à bien des égards. C'est Syndra qui dit ça. Eh bien, tant mieux. J'en suis très heureux. Eh bien, je vous invite donc à aller vous reposer pour vous préparer à une deuxième journée d'exception ici à Alenro. Vous m'envoyez ravi. Et si vous souhaitez que je joue un peu de musique pour détendre votre maisonnée, cela sera avec plaisir. C'est Syndra qui dit ça. Et du coup, Druckwest prendra la parole. D'autant plus, père, autant détendre l'atmosphère, car demain, nous allons préparer une journée tout à fait particulière où la maison va de nouveau marquer d'une pierre deux coups ses lettres de noblesse. Et le grand-père, qui ne se doute absolument de rien, Almer, du coup, dira, eh bien, tant mieux. Nous verrons ça demain. Allez, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Et tu vois qu'elle commence à jouer du luth pour commencer à détendre l'atmosphère, Syndra. De façon joyeuse du coup. Oui. Ok, bah du coup, assez bizarrement, enfin assez drôlement plutôt. Bizarrement, drôlement, bref. Tu verras une farandole de alphelins qui débarquent des cuisines et qui viennent danser dans la grande salle. Vous ne pensiez pas que pendant que vous étiez en train de manger, il y avait autant de serviteurs dans les cuisines, enfin qui étaient séquestrés dans les cuisines pour sortir en si grand nombre de là. Et ce que tu déplores, c'est qu'il n'y a pas de Ferdia. Ce qui est assez étonnant, puisque elle devait certainement être là, elle doit même être là, mais elle ne danse pas la farandole avec les autres. D'accord. Ce qui est très surprenant, effectivement. Du coup, je vais laisser la soirée comme ça et le baron va du coup envoyer un message à un membre du grand veneur du roc pour l'invitation Un point sur positif, l'île d'Alenro. ouais. Et l'un des points positifs qui est à remarquer quand même, c'est le baron qui verra un petit levage de tête de la part de la fille de Druckwest, donc Alba, qui aura soulevé momentanément la tête avec un petit salut au moment où elle allait sortir de la grande salle. Donc la petite fille semble avoir eu mot de la demande de son père. Mais D'accord. elle l'a fait savoir par un hochement de tête très très succinct. Succès. Je vois, je vois. Du coup, la soirée se passe, et puis après, Syndra va jouer peut-être 1 heure ou 2, et puis après, elle ira se coucher également. Ok, donc En allant rejoindre ses quartiers des barons, avec le baron. En allant rejoindre le baron dans ses quartiers. Mais vu l'heure, peut-être qu'on va rester là pour ce soir, si tu me demandes. Oui, comme tu veux. Bien, parce que si on commence une nouvelle journée, vu qu'il y a un. Pour être tout à fait sincère, je pense qu'en fin de journée, le lendemain, il y aura un jugement.
Il y aura quoi? Il y aura un ju le jugement va être fait. Ah oui. Parce que tu remarqueras assez vite que effectivement le monde dans la maison feuille d'éclair permet qu'il y a toutes les strates de la société présentes, ce qui permet de faire des jugements éclairs. D'où la feuille d'éclair sans doute, je sais pas. D'accord. Mais effectivement, il y a toutes les strates de la société de la ville, plus du coup vous qui êtes là, donc ça tombe bien, il y a besoin de notables importants. Vous êtes là. Donc ouais. Et puis je crois que Drockwise est pressé de foutre une tannée à. Aéron des Nardères. Aérant Denarder, ouais. Et ouais. Et je pense que maintenant, tu dois avoir qu'une seule envie, c'est de creuser Erand. Oui, tout à Parce fait. qu'au final, je pense que Mais je... jusque-là, je pense que tu te disais que ça devait être Narder l'instigateur de tout ça, et finalement, peut-être que. Ouais, mais je pense que ce sera plutôt le baron qui ira lui parler plutôt que Syndra. Ah bah en tout cas, au final, tu es arrivé pour rendre un petit service à la maison Feuille d'Éclair. Et finalement, je crois que tu vas peut-être sauver la maison de l'explosion. Tout à fait. En plus, à cause d'une simple histoire d'incendie. Une simple histoire d'incendie ou d'une histoire d'amour, hein, parce que de ce que tu vois là. Si tu regardes tes notes, Erand, visiblement, il est rentré dans la vie du grand-père il y a 7 ans. Oui. Ce qui rejoint normalement un autre témoignage. Tout à fait, tout à fait. Mais. Donc tu te dis tout ça à cause d'une histoire d'amour, ça ferait un petit peu cher payé quand même. Tu m'étonnes. Bah, là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, les indices et les preuves que j'ai pour l'incendie, finalement, corroborent la présence de l'école de magie. C'est ça. Et comment un culte discret peut essayer de comment dire, de corrompre une ville? Fait. Voilà, la question, c'est que si j'avais pas été là, j'imagine même pas qu'est-ce qui nous aurait mis à l'envers. Clairement. Clairement. Si sur d'autres tables ça avait été vu aussitôt pour le Noirceau, pour les Starango ou pour d'autres, ça aurait permis d'éviter certains déboires en Alarion. Ah bah c'est sûr. Mais j'avoue, c'était beaucoup de chance aussi. Ah, il reste encore du boulot pour savoir si c'est un coup de chance ou pas. À fait, tout à fait. Parce qu'il y a encore un truc, l'histoire de la fille du roi, parce que Ferdia Oui. a balancé, ça tu l'as pas encore creusé encore.
Bah Non, mais c'est pourtant. compliqué de le creuser à ce niveau-là, en tout cas. Bah ouais, parce que je te vois mal. Enfin. Je te vois. Enfin, même si vous avez des accès, mais il faudra le temps quand même. Mais de là à aller jusqu'à aller interroger le roi sur ce qu'a fait sa fille. À fait. C'est le genre d'interrogatoire qui est assez complexe là. Oui. Surtout D'ailleurs, que petite. indirectement, ça veut dire que tu accuserais la fille du roi, ce qui est encore plus compliqué. Oui, c'est pas bien si jamais je veux faire pour mon projet, accuser la fille du roi, c'est pas le mieux. Non. Par contre, on est d'accord que. Ah, j'ai pas posé cette question quand je les ai interrogés. Parce que apparemment, ils se sont endormis soudainement. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils ont pu faire l'objet du sort sommeil? Possible. On va dire que j'en aurais parlé au baron, donc ça, cette idée-là, il aurait très bien pu me Oui, l'indiquer, on est d'accord. ça aurait très bien pu être ça. Surtout si t'es endormi l'un après l'autre, enfin l'un et puis l'autre longtemps après, oui, pourquoi pas. Enfin, non, ça aurait pas pu être un sort sommeil, mais s'ils se sont endormis tous les deux en même temps, il y a des chances que le sort sommeil soit responsable. Mais si c'est Soit le sans-sommeil, soit le. j'ai mis empoisonnement si jamais ils avaient bu quelque chose. Par contre, si c'est un sort sommeil sur quelqu'un qui est capable d'envoyer en voie de message, ce sort de sommeil devait être quand même bien chargé Ils pour sont. endormir deux personnes. Oui, je suis d'accord. Bon, après. C'est à voir parce que le sorcier, si depuis 5 ans, enfin depuis 2 ans, il est en train d'essayer d'apprendre à produire une flamme alors qu'il pourra jamais y arriver, le sorcier doit pas être Oui. très très fort non plus, quoi. Il doit être un petit peu Ah oui, ça débile, c'est on sûr, va mais dire. bon. Et pour le Tout coup. à fait. De la même façon que si Tomate est le tuteur de Ziri, Tomate, ça devrait faire depuis un moment qu'il aurait pu dire à Ziri, bon bah produire une flamme, pas pour toi, quoi. Oui. D'où la qualité des instructeurs permettant cette pratique. Ouais. D'où ces tuteurs sont vraiment des clowns. Mais du coup, je vais profiter du jugement pour demander la fermeture de cette salle et de pratique de la magie jusqu'à la nomination d'une personne ayant les capacités de cet apprentissage. Exactement. Mais c'est pareil. Parce que malgré tout, vous avez quand même un hic et peut-être que il faut que tu le saches aussi. C'est que parce que sur la différence avec Pangée, le service militaire n'est pas obligatoire, il n'y en a pas, puisque Oui. c'est un tribut sur Pangée, c'est un tribut de membres de famille qui est donné à l'armée. Alors que sur Alarian, le service militaire est obligatoire pour tout le monde. Sauf que, bah, un petit peu comme à notre ancienne époque ici, c'est obligatoire pour les gens qui ont un certain rang social et qui n'ont pas d'obligation, qui peuvent se délivrer de certaines obligations de la vie de tous les jours, genre des tâches
agricoles, des tâches commerciales ou des tâches médicales, parce qu'il y en a aussi. Ceux-là peuvent être dispensés de faire service militaire. Par contre, les autres, normalement, doivent le faire. Donc, la question est de savoir, je pense que le baron se pose la question et va devoir fouiller un petit peu dans les registres au maximum pour savoir si le nardaire a fait Service militaire. son service militaire et dans quoi, parce que il est possible que pendant le jugement il puisse s'en servir, mais même s'il avait été, même s'il a fait son service militaire au sein de l'armée d'Alarion, c'est pas parce que tu as fait ton service que tu as le droit de faire une école de magie. Il faut avoir eu un rang assez particulier dans l'unité pour en avoir le droit. Il faut avoir l'autorisation de pouvoir faire l'école de magie. Visiblement, ça, il n'avait déjà pas l'autorisation. Bah moi, c'est son témoignage qui m'a donné, en plus, Ouais. Narder, c'est qu'il n'a aucune autorisation quand je lui ai demandé. Voilà, donc il peut se servir du fait qu'il a été dans l'armée d'Alarion, mais il faudrait qu'il puisse justifier qu'il a eu l'autorisation de le partager avec des élèves. Oui, parce que je me dis, quand bien même que c'est avec l'armée d'Alarion, il doit quand même avoir un document officiel. C'est ça. Et tout temple, je dis bien tout temple, même si leur culte n'est pas les meilleurs du monde, tout temple a normalement une lettre, comment on dit, comme dans Rec Trader, une lettre de marque Oui. du roi qui les autorise à utiliser la magie. Oui, mais donc du coup, ça fait partie de l'autorisation. Donc là, c'est ça qui. Je pense que c'est mes recherches qui vont tilter et qui ont fait que qu'ils se disent, oups, il faut qu'on se débrouille pour trouver une autorisation fallacieuse. Et l'autre point d'équilibre qui est dramatique en Alarion, qui est franchement dramatique en Alarion, parce que sur Pangée, le cas des sorciers, il est clair. On ne veut pas de sorciers en Pangée. Alors que sur Alarion, faut savoir que l'un des alliés les plus proches d'Alarion de base, c'est l'île des démons. Et que bon. Île des démons, alliés, sorciers. Je te laisse Oui. te dire que comment on considère les sorciers, la question est très chaotique, puisqu'on ne peut pas dire qu'ils sont interdits, puisque sinon il n'y aurait pas d'alliance avec les démons. Mais est-ce qu'on les accepte? Ben non, pas forcément, parce que bon. Déjà, ils sont pas tous forcément avec des démons, et ensuite ils sont pas là. Et puis on sait pas ce qu'ils font avec leur sort, donc il n'y a personne qui leur apprend rien, à part l'entité dans leur tête. Donc c'est facile d'accuser un sorcier parce que du coup, au final, il n'a pas de statut juridique, le sorcier en Alarion. Oui, sauf que là, ils n'avaient pas pensé que j'allais venir. C'est ça, c'est ça. Parce que d'un côté, eux, ça les arrange parce que, bon, c'est un utilisateur de magie, c'est un sorcier. Voilà, personne va aller creuser. Bah si. Bah si. Il y en a une qui est passée par là et qui a creusé. Ça. Donc. En vrai, c'est parce qu'elle est juriste, hein. Elle n'aurait pas eu l'historique juriste, je pense pas que j'aurais creusé autant.
Exactement. Exactement. T'aurais entendu dire un sorcier a joué avec le feu. Bon, d'accord. C'est ça. Pas de problème. Mais c'est ce que se dit l'ensemble des gens à l'Enro, hein, voire des notables. Hein. Un sorcier qui a joué avec le feu. Bah ouais, bah, c'est possible. Hein. On peut pas savoir ce qui lui est arrivé passé par la tête. Hein. Encore moins ce qui lui est arrivé à l'intérieur de sa tête. Donc, donc s'il est Par jugé contre, coupable, là, c'est qu'il est effectivement, quand il va y avoir les infos du genre le grand Zébulunaire vient de voir une de ses écoles de magie fermée. De toute façon, quand tu vas dire grand Zébulunaire, tu le sais autant que Arrokkav ou Rock. Je pense que quand tu vas mettre les trois mots bout à bout, je pense qu'il va y avoir une réaction vive. Parce que si jamais dans la ville d'Alenoro il y a des disparitions d'enfants, de savoir que la capitainerie est gouvernée par le grand Zébulunaire, je peux t'assurer que ça va être chaud bouillant. Vaut mieux que ça se passe dans la maison de feuilles d'argent, de feuilles d'éclair, qu'au sein de la ville d'Alenro. Parce que l'idée de base de Narder de le faire et que tout le monde, enfin, que pas mal de gens à Alenro soient au courant. Bah, de toute façon, ça va se savoir parce que je pense que un jugement fait à l'intérieur de la maisonnée, c'est pas quelque chose de courant. Bah, surtout pas la vitesse là, non. Là, Drogwise, il fait Et fort. Hein. surtout pas à cette vitesse-là, et surtout sur un sujet qui était censé être fait au sein de la ville. Donc je pense que les gens vont quand même se poser des questions. Bah, là, le baron connaissant Drogwise, il sent Oui. toute la frustration de Drogwise qu'il a encaissé depuis tant et tant de jours, de mois ou d'années, qu'il est là à ce que son père lui ferme sa gueule et le séquestre à l'intérieur du manoir. Et là, tu vois, tu lui lances une perche pour qu'il l'explose. Mais à mon avis, oui, effectivement, il va exploser, mais ça va faire de gros dégâts, je pense. Parce que pour le coup, Ouais. il va tout lâcher. Tu le vois bien dans sa façon de réagir qu'il a l'intention de tout faire péter. Ah oui, tout à fait. Mais nous, on n'y est pour rien. Ben non, mais après, c'est votre maison vassale, donc Oui. s'ils perdent la face, à quelque part, vous aussi, quoi. Et ça, autant le grand-père, visiblement, il s'en fout un peu, mais autant Drogwise, à l'égard du baron, il peut pas accepter. Voire même à l'égard de Ruvaen, même si ce dernier. De toute façon, il n'a pas une grande fierté, mais quand même, par respect. Oui, bah oui, parce que là, de toute façon, ouais, le jugement, ça va être quelque chose. Par contre, est-ce que Rouvaen va venir en tant que juge en étant sobre? Ça, c'est la question. Quelque chose me dit qu'il est plus ludique en ayant bu que sans. Effectivement, effectivement. Lucide, pardon, pas ludique. Ah ben, malgré son côté un peu ivrogne, crado et désinvolte, ben, mine de rien, il a l'air d'être d'avoir les pieds sur terre. Plus que Almert. Et en plus, il a l'air de s'en foutre de tout.
On est en train de lui présenter quelque chose de très grave. Et lui, il en a rien à foutre, il en rigole, tu Ben, il voit le détail de l'incompétence. vois. Et puis, je pense qu'il est en train de se dire, tant que c'est la merde des autres et pas la mienne. Attends, on n'a pas encore été à Charbagne. Ah ouais, mais moi là-bas, c'est plus simple, c'est anarchique. Donc comme ça. Oui. Ça peut, C'est sûr. c'est pas grave. Là-bas, c'est pas grave. C'est anarchique. La maison, elle gère au mieux. Il y a certainement des trucs qui sont des grosses merdes. Mais comme de toute façon, il n'y a rien de construit, ils font ça comme ça vient. Ils se prennent pas la tête. Est-ce que d'ailleurs j'ai eu un message retour suite à mon message au Rock? C'était quoi déjà? C'était invitation sur l'île Allen-Ro, faux paladin du grand veneur, vrai culte grands ébules lunaires. Enfin, tu sais, entre guillemets, je disais qu'il y avait quelqu'un qui se faisait passer pour des paladins du Grand Veneur, alors que c'était du culte du Zébulunaire, du Grand Zébulunaire. Et que je demande du coup à convier, on va dire, mon contact, ou en tout cas des personnes du Grand Veneur attestées de cette présence. Et tu reçois, c'est un envoi de message hein, que tu as mis. C'est envoie le message, ouais. T'auras une réponse d'un paladin que tu connais du Grand Veneur, puisque tu en connais. Qui te dit qu'ils vont débarquer à 5 paladins à Allenro. D'ici 2 jours, 2 3 jours. Ok. Et que oui, ils vont pas rigoler avec ça. Et bah du coup, j'irai les accueillir. 2 3 jours, de toute façon, c'est à la date où l'événement officiel va avoir lieu. Oui, c'est ça. Oui, mais là, l'événement, il est parti pour avoir quelques petits impacts. Quoique l'événement, c'est pas le moment où le marché va se faire, hein. C'est le moment Ah où oui. tout le monde est réuni pour recevoir les tracts, pour ensuite que chacun puisse savoir qui seront les artisans locaux, où ça va se faire, quand. Qui peut venir, bref. D'accord. Mais c'est un truc C'est vrai. de la maison hein, de faire ça en grande pompe pour que les choses soient bien comprises et que lorsque vous allez en faire la pub, vous le fassiez de façon tout aussi joviale que qu'ils vous présenteront. Tout à fait. Ok, je vois, je vois. Donc du coup, ils s'y attendent pas du tout. Là, le truc qui va se faire, c'est pas forcément. C'est que l'ambiance festive va être un petit peu trashée quand même. Parce que l'ambiance n'est pas forcément. N'est pas forcément à l'envie de trinquer des bières jusqu'à pas d'heure la nuit, mais plutôt à faire la fête vite et bien, mais vite, pour que ensuite on puisse régler quelques problèmes. Tout à fait. Il y a quelque chose qui te dit que ça sera aussi pendant. Moi, j'en suis plus que certain que ça sera pendant, mais Ouais.
Disons que il y a les prémices du procès. Et après, j'ai l'impression que ça va aller crescendo. Bah, j'ai envie de te dire, au point où tu es au courant que le grand zébulinaire est là, je pense que dans les têtes de tout le monde, de ceux qui sont au courant, là, ce qui commence à pointer le bout du nez, c'est de rechercher les informations pour savoir s'il y a des enfants qui ont disparu. Parce que si jamais ça devait se révéler exact, qu'il devait y avoir des enfants disparus à l'ENRO, là on change un petit peu de dimension là. Parce que là c'est plus une histoire de petit incendie dans une bibliothèque, pile poil dans les rayons royaux. Mais une histoire d'enfants qui se sont peut-être fait bouffer depuis 5, 6, 6, 7 ans là. Mais pas pareil. Oui. Bah après, je ne pense pas que cette enquête sera diligentée par Syndra ou Baron, mais plutôt par la maisonnée en elle-même. Après. Bah ouais. Bah, dans l'ensemble des maisons, parce que après la maison Feuille d'Éclair n'est pas non c'est elle qui gère la ville d'Alenro, parce que c'est elle qui est la plus puissante là-bas, mais il y en a d'autres à Oui. l'intérieur hein. Et qui n'hésiterait pas enfin qui n'hésiterait pas on veut en savait rien mais qui pourrait ne pas hésiter à profiter de la situation pour foutre à terre la maison Feuille d'Éclair pour prendre leur place. Bah oui, forcément. Mais nous sommes là pour y convier. Oui, bah de toute façon, t'as 5 paladins du grand veneur qui vont arriver dans 3 jours. Tu te dis. Si jamais cette arrivée venait aux oreilles de Narder, tu te dis que bizarrement la capitainerie serait vide assez rapidement. Ah, 5 paladins du grand veneur venant du roc. Je pense que ça va se savoir assez rapidement. Hein. Que leur vilaine blague de se faire passer pour au début pour des paladins du grand veneur c'est pas des blagues qui sont très très appréciées de la part du temple, pas du tout, Ah bah, pas du tout. tu m'étonnes. Surtout, bah, de toute façon, ils ne pourront pas disparaître comme ça, non? Parce qu'il va y avoir une enquête. Ah oui, c'est sûr qu'ils bah, ils peuvent pas disparaître comme ça. Ils vont au moment où ils vont savoir pour les paladins du grand veneur, il y a des chances qu'ils essayent. Hein. Oui. Ils essayent hein, parce que bon, théoriquement parlant, c'est des cultes ennemis, donc enfin c'est des cultes ennemis. Dans leur nature, c'est des cultes ennemis, mais. Ils ne peuvent pas s'amuser à attendre que le grand veneur arrive parce que bon. Oui, surtout qu'ils savent pas encore que j'ai fait les appels, parce que même Errol ne le sait pas. C'est sûr. Et je pense Je pense que que même quand Errol va les voir, ça va faire des choses. Bonjour. bah. Et il va y avoir, je pense, bah tu t'en doutes, hein, si Erand est trempé dedans et que Almert est aveuglé. Ah bah oui, il va y avoir... Pardon.
Il va y avoir certainement une phase de diplomatie assez particulière. Parce que mine Il de va y avoir la rien, diplomatie. de ce que Almert connaît, enfin de ce que le baron connaît d'Almert, bah, c'est pour ça que Almert et la maison d'Almert est devenue vassale aussi, hein, c'est que Almert était quelqu'un jusque-là en tout cas, elle était quelqu'un de responsable et de courageux et de fiable. Mais au vu de ce que vous entendez là, Oui, ça va être un petit peu compromis. bah, pas forcément compromis, mais il va falloir quand même mettre les choses en relief, quoi. Oui. Bah pour moi, là, il faudrait, s'il est plus apte à gouverner, effectivement, il devrait se retirer de la gestion de la maison. Sauf que comme je te l'ai dit quand t'es arrivé, enfin, je te l'ai pas dit comme ça, mais bon, bref, le grand-père de la maison Feuille d'Éclair, c'est un petit peu à l'image du capitaine Haddock. Si tu comptes sur lui pour quitter le navire, eh ben. Va falloir se lever très tôt. Ouais, j'imagine. Ah oui, ça va. Il va y avoir du RP encore. Ah ouais, mais c'est intéressant. Bah, disons que c'est une table qui est plus tournée politique, donc forcément, ils font plus de l'enquête ou de la politique, mais ils vont pas forcément aller faire des champs de bataille, quoi. Oh si, 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 mais là c'est une enquête, certes, mais qui est en jeu puisqu'il s'agit d'une maison vassale. Ou justement, si jamais sur Alarion ou autour de Rocave ou du Roc, il y aurait des problèmes militaires, vous avez besoin que la maison Feuille d'Éclair puisse être présent et être réactif. Tout à Et fait. là, de toute évidence, ils ne peuvent pas être réactifs puisqu'ils sont en train d'exploser. Oui. Donc, on est plus que sur de l'enquête là, on est sur du sauvetage. Oui, tout à fait, tout à fait. Et après, il va falloir que j'aille voir toutes mes maisons vassales pour trouver de la puissance militaire. Mais déjà là, déjà original.